Et j'accueille les intervenants de la table ronde sur les métiers de la connaissance et de l'information dans la transition écologique. Alors, nous avons Monsieur Hervé Philippe. Nous devions accueillir aussi Jean-Baptiste Rivoire, un journaliste d'investigation, mais je ne sais pas s'il a pu se rendre disponible finalement. Si vous êtes là, Monsieur Rivoire, bienvenue, n'hésitez pas à allumer votre micro et votre caméra. Nous avons aussi Jean-Hugues Barthélémy qui interviendra dans cette table ronde s'il veut bien. Ludovic Duhem aussi, en qualité d'artiste et de philosophe de l'esthétique animale. Jean-Hugues Barthélémy interviendra plutôt sur la question des nouvelles lumières. Et puis Giovanni Agresti, qui est sociolinguiste et qui a écrit un article récemment sur les discours qui biaisent la question écologique. Un groupe de chercheurs, de scientifiques en rébellion bordelais qui nous a fait l'honneur de vouloir présenter leur démarche, donc représentée par Sophie Gerbet. Tu veux t'installer à la table ronde ou... Oui, vous êtes 7, mais la table est trop petite, donc... Ensuite, nous avons peut-être... Alors, nous devions avoir Anaïs Massola. Je ne sais pas si elle a pu se rendre disponible aussi, parce que c'était pas forcément facile pour tout le monde dans les délais. Donc, je ne sais pas. Qui est libraire et qui... travaille pour une association, enfin qui est représentante d'une association pour l'écologie du livre. Et puis enfin, nous avons peut-être aussi un psychologue de l'université de Nantes, monsieur Brice Beffara. Je ne sais pas s'il. Oui, ah, chouette, vous avez pu vous connecter. Merci pour votre message de tout à l'heure, vos deux remarques. Très. Très pertinente. Je ne sais pas si je pourrais les résoudre, malheureusement, parce que ça demanderait peut-être beaucoup de temps de discuter de ces enjeux. Mais je pourrais les évoquer, on pourra en discuter, ou peut-être après la table ronde, je ne sais pas. Et nous avons aussi, justement, un intervenant un peu de dernière minute qui a pu se libérer, qui interviendra à la fin de la table ronde. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup de casquettes et qui a intervenu sur beaucoup de sujets, mais dont le point de vue me semblait intéressant, qui est Idriss Aberkane. Et donc, je vais essayer de faire très très vite. Alors, je vous ai envoyé un diapo, mais c'était un peu tard. Je ne sais pas si vous avez pu le consulter. Donc, je vais essayer de faire un petit topo sur la situation de la connaissance et de l'université notamment, et de la recherche scientifique, dans le cadre de la transition écologique. Donc je vais essayer de faire un topo très accéléré. Je ne sais pas à quel point vous êtes... Qui est comment on dit ? Préparation contenu, voilà, c'est ça. Qui est à l'aise avec toutes ces questions-là ? Parce que c'est assez bizarre, on parle beaucoup de la science ouverte, du fait que les politiques sont pourries et que BFM TV n'est pas une bonne source d'information, mais en fait les problèmes sont un peu plus complexes et profonds que ça, mais ça prend parfois du temps et puis des fois on a un peu l'impression de se remettre en question dans ses propres pratiques auxquelles on est habitué depuis son plus jeune âge, et donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est partagé ou pas dans ces connaissances, donc n'hésitez pas, enfin dans ces informations que j'ai pu récolter. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, à me dire d'accélérer ou de préciser, puis peut-être ça peut être bien de commencer à intervenir librement dès que vous voulez sur ce que je propose. Vous m'arrêtez si ça vous paraît pas pertinent, incomplet, etc. Comme ça on commencera les échanges au plus tôt possible. Ça vous va ? Donc moi, la formule que je voulais proposer pour cette table ronde, c'est j'ai invité des gens qui me paraissent donner l'exemple soit de réflexion, de recherche ou de projets qui sont dans le cadre des différents métiers de la connaissance. J'ai essayé d'introduire une certaine diversité, même si tout le monde n'a pas réussi à être présent.
et qui pourrait être inspirant pour une réforme de ce que j'appelle l'écosystème de la connaissance et de l'information, parce qu'on a besoin de la science, de la transmission d'informations pour avancer sur la crise écologique qui est très complexe, qui est systémique, comme on dit. Et donc, on a besoin de construire un nouveau paradigme de connaissances et d'informations. Et ça peut pas se faire... voilà, il faut faire ça collectivement. Et puis, de l'intérieur des institutions, je pense, avec les moyens qui sont les nôtres. C'est quand même un peu notre métier. Donc, tout d'abord, la conclusion de cette journée, c'est qu'il faudrait faire des groupes de travail sur chacun des sujets qu'on a discutés pour vraiment transformer ça à grande échelle. Donc le droit, l'économie, l'agriculture, la psychologie, la technologie, la décision politique, et j'oubliais la santé. La grande synthèse de tout ça, pour moi, enfin le grand axe transversal, c'est qu'en fait, on a besoin, entre guillemets, c'est pas la bonne formulation, mais de supprimer les intermédiaires pour avancer. On a une société qui est organisée hiérarchiquement, et il faut horizontaliser tout ça pour ressembler le plus possible à quelque chose de résilient et d'écologique, imiter les systèmes naturels, et donc ça suppose la suppression des intermédiaires, en tout cas que les intermédiaires soient des apports et pas des contraintes. Voilà, je le résume, vous pourrez en discuter si ça vous parle. Et ça vaut aussi, et c'est une de mes propositions centrales, pour la connaissance et l'information. C'est la notion même de lumière, telle que l'évoquait Kant, c'est la notion de maturité, de majorité. La notion de majorité, c'est l'autonomie, c'est de ne plus être dépendant d'un médecin, d'un cuisinier, d'un professeur, etc. C'est ça dont on a besoin. Notre société propose tout le contraire, et c'est pour ça qu'on est incapable et bloqué, je pense. Alors, on a déjà parlé au cours de cette journée de pas mal d'éléments sur la cognition, donc j'y reviens pas. On peut citer quand même la pensée sauvage, pour faire le lien entre ensauvagement et connaissance, la pensée sauvage de Lévi-Strauss, le discours sur les arts et les sciences de Rousseau. Voilà, il y a plein de... Un élément qui me paraît très pertinent aussi, c'est la distinction entre connaissance directe et connaissance indirecte. C'est quelque chose qui est grammatical dans beaucoup de langues primitives, entre guillemets, enfin en tout cas exotiques pour nous. C'est au lieu d'avoir la distinction passé-présent, par exemple dans les verbes, eh ben y a certaines langues qui disent si le savoir il est direct, c'est-à-dire est-ce que j'ai vécu ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Voilà, c'est dans les verbes eux-mêmes. Et nous, notre système de connaissance, il est centré sur la connaissance indirecte. Il y a très peu de connaissances directes dans notre système, et à mon avis, c'est un des grands problèmes de notre blocage. Je pourrais préciser si ça vous parle aussi. Alors, la crise écologique, c'est quelque chose de complexe, donc forcément, il y a besoin d'informations, de connaissances, de sciences, et donc de la mobilisation générale de tous les métiers dans ce domaine-là. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. J'ai essayé de résumer, voilà, une sorte de version simplifiée de ce que j'appelle l'écosystème de la connaissance, donc les différents acteurs. Donc, c'est vraiment très schématique, hein, c'est vraiment pour réfléchir. Donc, imaginons que tout soit super bien organisé, que chacun ait une tâche précise et que tout soit bien organisé. On pourrait imaginer qu'il y a les scientifiques qui produisent la connaissance, ils la transmettent aux enseignants, qui enseignent les citoyens, qui eux s'en servent pour voter, consommer, travailler. Mais aussi, bien sûr, leur production peut être récupérée par les ingénieurs qui vont créer des applications, qui vont les transmettre aux entrepreneurs, qui vont les commercialiser, ou aux journalistes qui vont faire de l'information, qui eux-mêmes vont informer les citoyens, ou les artistes qui vont faire de etc. Donc, voilà, c'est schématique, mais ça permet de donner une base de discussion. Donc, si ce système y fonctionnait, eh ben, on aurait les climatologues, à tout hasard, qui publieraient des articles et des rapports, qui seraient lus par les ingénieurs, les journalistes, les enseignants, qui feraient leur boulot, et à la fin, on aurait une transition écologique magnifique depuis déjà un bon moment. Bon, ben, en pratique, voilà, on a un premier rapport très clair en 1972. Ensuite, on a la création du GIEC en 1988, puis 6 rapports de 1990 à 2022. Et vous voyez que il n'y a aucune corrélation avec la réduction de l'émission des gaz à effet de serre.
Donc je pense que c'est un bon indicateur que le système de la connaissance dans notre société, il est absolument inefficace. C'est mon impression. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ce simple constat ? Moi, j'aimerais bien revenir à la diapositive sur... Avec plaisir, hein, franchement... La diapositive précédente. Oui. Il manque... Pour moi, c'est plutôt pas ce dont je rêve. Pour moi, c'est un cauchemar. C'est ce que je voudrais fuir, en fait, ce système-là, où il y aurait les scientifiques qui auraient la vérité et qui diffuserait à la société et qui imposerait. Il me semble que c'est exactement ce système-là que l'on est dans la science moderne, qui pour moi est un système un système de domination sociale, qui a dérivé pour pouvoir réussir sa domination sociale par une domination de la nature, pour avoir les ressources permettant la domination sociale, et que je pense que justement, c'est face à ça qu'il faut combattre. C'est pas du tout surprenant que ce système-là qui marche en fait relativement bien, parce que ça marche comme ça actuellement. Hein. Les scientifiques produisent pour que les ingénieurs appliquent, que les entrepreneurs puissent agir, mais tout ça dans un but de domination du système et de domination du reste du peuple. Et je pense en fait, contrairement à ce qui s'est dit tout à l'heure, enfin, je suis en désaccord avec Jean-Claude Michéa sur le fait que le monde moderne se serait construit sur la peur des guerres de religion. Je pense qu'il s'est beaucoup plus construit sur la peur de la guerre des paysans qui a eu lieu quelques temps avant, où les paysans ont fait tout un ensemble de révoltes à travers l'Europe pour obtenir plus d'autonomie, plus de liberté, et que ça a terrorisé les élites qui ont développé tout un système en particulier de connaissances et de connaissances militaires qui permettaient de dominer. Et tout en fait les développements scientifiques, surtout au début, c'était des développements pour permettre vraiment le contrôle physique, militaire, le développement de la métallurgie, etc., et qui est à la base du développement du monde académique tel qu'on le connaît. C'est un peu l'alerte du mouvement Survivre et Vivre de Grothendieck, par exemple. Oui, mais pas que. Okay. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est une des grosses références. La question que moi j'aimerais poser, en fait, c'est est-ce que on a, en tant que professionnel de la connaissance, autre chose à proposer que de disparaître, en fait. Et en particulier, que de contribuer à la disparition. Le problème, c'est de trop attendre de cet univers. Moi, en fait, j'attends pas grand-chose de cet univers. J'attends beaucoup plus qu'ils se mettent en retrait et qu'ils se disent, surtout comme vous l'avez montré, les décennies d'échecs de ce système-là, et qu'ils apprennent du reste de la société comment avoir un rapport aux autres humains et à la nature qui ne soit pas un rapport de domination. Donc, on est 100% d'accord jusque-là. Je ne proposais pas un système idéal, je proposais un système schématique qui correspond à peu près à la doxa, à mon avis. À une certaine doxa, en tout cas. Ce n'est pas du tout, moi, ce que je revendique ou quoi. C'était vraiment un schéma pour réfléchir. De manière simplifiée, mais un peu concrète. Alors, juste, j'ai oublié d'introduire un autre intervenant de la table ronde qui nous a vraiment fait l'honneur et le grand plaisir de se libérer. C'est Barbara Delacroix, qui est docteur en archéologie romaine et qui est depuis quelques années, qui a monté une entreprise d'une activité de mentorat universitaire, mais qui est très, très diversifiée et très riche. Elle pourra peut-être nous en parler. Donc Barbara, n'hésitez pas à mettre votre caméra et à intervenir quand vous voulez. Et merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Est-ce qu'on vous voit ? Alors là... Voilà, oui, ça y est, je vous vois. Super. Et ensuite, il y a Giovanni Agresti qui voulait intervenir, donc n'hésitez pas à intervenir si je vous vois pas trop, parce que des fois c'est... Oui, alors je voulais rebondir, Gauvin, sur la diapositive, c'est-à-dire dans le meilleur des mondes possibles, la chaîne de transmission des connaissances devrait, si j'ai bien compris, parvenir à l'amélioration des conditions d'existence, c'est ça. Si ce système était efficace. C'est pas le meilleur des mondes possibles, mais c'est l'efficacité de ce système. D'accord. Alors, je pense d'abord qu'il y a deux, trois nœuds critiques. Le premier, c'est que souvent, très souvent, on confond entre connaissance et information.
Et tout ce qui se fait à l'université ne relève pas forcément de la connaissance. Souvent, c'est de l'information. Et on a une tendance probablement accrue à cause de certains enjeux, certaines contraintes économiques et de politique scientifique nationale et surtout internationale. On a la fâcheuse tendance à emboîter le pas à une recherche majoritaire dominante. Donc ça, c'est une question d'éthique des chercheurs. Donc tout ce qui se fait à l'université ne relève pas forcément de la connaissance du progrès des sciences. Et là, on pourrait organiser une autre journée d'études autour de ça. Et un autre aspect, c'est que la connaissance elle-même est parasitée par des intérêts, évidemment, et là, c'est un autre chapitre. Mais je voulais mettre l'accent sur quelque chose d'apparemment très anodin. C'était le président d'une université, l'université de la Calabre. C'était un géologue qui, il y a quelques années, on était reçu dans une cérémonie pour la remise d'un prix, etc. Il a tenu une petite conférence. Il a dit « Le drame de l'université aujourd'hui est le suivant ». L'autre semaine, nous avons invité un prix Nobel de physique. Il y avait 30 personnes comme public, 30 personnes. Là, je vous parle de l'époque pré-Covid, évidemment. À côté de nous, dans l'autre salle, il y avait un journaliste de Sky Télévision, quelque chose comme ça. Il y avait 600 spectateurs. Voilà, donc probablement l'audience qu'a en général la recherche scientifique, que ce soit la recherche de base ou appliquée, ou sciences dures, sciences naturelles, sciences humaines et sociales, est encore trop peu entendue. Il y a donc un hiatus entre le monde de la recherche et tous les autres acteurs, y compris les médiateurs, les vulgarisateurs. Disons, l'option pour le monolinguisme ou le oligolinguisme de la recherche scientifique est délétère de ce point de vue-là. Comment voulez-vous que si on commence à faire la recherche uniquement, par exemple, en anglais, les masses citoyennes soient correctement informées? On voit combien c'est compliqué déjà de faire passer une pensée articulée, déjà dans la langue que nous maîtrisons tous. Et vous vous imaginez si on doit passer par des traductions, par des intermédiaires, là, une fois de plus. Donc, il y a, c'est comme un aqueduc, et l'eau finit par se disperser. Donc, je pense qu'il y a aussi ce genre d'éléments. Merci. D'accord. Alors, et sur ce constat-là, sinon, vous êtes à peu près d'accord que voir cette courbe-là, c'est la preuve actuelle de l'inefficacité du système de connaissances et d'informations, ou ça vous paraît choquant de dire ça? L'inefficacité face à la crise écologique, oui. Oui, voilà. C'est la provocation de la résoudre, et non pas de la décrire, ou de l'analyser. Bah, disons que si les connaissances servent à quelque chose, prendre conscience, agir, tout ça. Ah ben alors déjà ça c'est intéressant. Si dès le départ les producteurs de connaissances ne pensent pas que les connaissances puissent servir à quelque chose, ça peut expliquer un peu le problème. Non, ce que je veux dire par là, attention, c'est que c'est au sens profond du terme, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de connaissances, et si la connaissance a une vocation à transformer le monde par le soutien, par exemple, de l'action politique, ou bien s'agit-il de connaître pour connaître, qui peut être l'enjeu le plus élevé de la spiritualité humaine, et qu'on ne considère pas qu'elle doit avoir une action immédiate dans le monde. C'est juste une question à poser. La connaissance, c'est des représentations. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose, parce que je suis un peu choquée, justement, donc. Pas de souci. Exprimer le fait que je suis choquée. Oui. Quand on pose la question non sauvagement et que derrière on pose une question sur l'efficacité, notamment l'efficacité de l'enseignement, pour moi il y a une contradiction profonde. C'est-à-dire qu'en fait, se poser la question de l'efficacité comme ça, en plus d'une façon très verticale, elle n'a pas de sens en fait, dans ce dont on débat depuis ce matin. Voilà, l'enseignement c'est très divers et peut-être ce dont souffre en France notamment, l'université, c'est le manque de moyens et la déliquescence. Bah, ça peut très bien être des explications de pourquoi le système est inefficace, parce qu'il manque de moyens. Aucun souci. La question de l'ensauvagement, elle est...
Ah, là, je ne parle pas d'ensauvagement, je parle de l'efficacité du système de connaissance actuel qui n'est pas ensauvagé, réensauvagé. Et justement, la proposition, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réensauvager ce système pour le rendre efficace au niveau de la résolution de la crise écologique? C'est la deuxième étape du raisonnement, j'essaie d'y aller progressivement. Est-ce que ça resitue un peu mieux le propos? C'est pas du tout une mécompréhension de ma part, hein. C'est juste que du coup j'exprimais le fait que j'étais choquée par la manière dont la question était posée. Ben en fait, j'essaye d'être un peu, je sais pas comment dire, comme on est un peu dans l'urgence, j'essaye de poser des trucs un peu clairs, quoi. Et donc là, cette courbe qui monte avec des tonnes de rapports scientifiques signés mondialement par tous les voilà. Alors, c'est autre chose. Oui, allez-y. Mon expérience, mon témoignage. Oui. J'enseigne depuis 10 ans dans une école d'art. Oui. J'apprends énormément de mes étudiants. Ensuite, tout passe aussi beaucoup du bas vers le haut. C'est une question aussi à la fois de l'écosystème de l'école et des choix des professeurs. D'écouter ce qui vient d'en bas. Alors, juste, j'ai un doute, est-ce qu'on vous entend bien parce que là, est-ce que les gens à distance entendent votre question? Je viens de réfléchir à ça. Parce que peut-être faut que vous veniez prendre le micro pour qu'on vous entende bien. Bon, je vais juste finir, discuter ici. Il y a de la place encore à la table. Venez vous installer dès que vous voulez prendre la parole, parce que c'est vrai que c'est dommage si tout le monde n'entend pas. Ça ferait bizarre pour... On entend à peu près, donc ça sera plus confortable quand même si vous y êtes... Excusez-moi, je ne suis pas toujours très réactif sur les questions techniques. J'essaye, mais c'est pas encore ça. Vous pouvez appuyer sur le micro là-bas. Voilà. Bon, bah, du coup, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Johanna Schipper. Je suis enseignante à l'école d'art d'Angoulême, enseignante de bande dessinée. Et donc, j'en profite juste pour donner effectivement un témoignage. Parfait. Donc j'enseigne depuis 10 ans et effectivement, je vois des étudiants extrêmement investis sur beaucoup de questions et une réflexion continue sur la question de leur place d'artiste et des productions en tant qu'artiste. Ils sont très mobilisés sur des questions écologiques et anticapitalistes. Et en tant que prof, simplement mon témoignage, c'est qu'on apprend énormément des étudiants. Et en fait, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis dit, je retourne à l'école, moi aussi. Oui. Du coup, à 55 ans, je fais une thèse à la fac. Je découvre la fac et je découvre des espaces de liberté. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de manifester pour la sauvegarde du service public, de l'enseignement. Et je pense que la question que vous posez, c'est-à-dire comment est-ce que l'information, à travers cet exemple, c'est-à-dire les exemples de l'enseignement, comment est-ce que ça n'atteint pas son but, n'est pas lié au système d'enseignement et de façon assez marginale aux questions de hiérarchie à l'intérieur de l'enseignement. Pour moi, c'est très marginal, en fait. C'est pas ça la question. La question qui est posée, c'est la question des moyens, en premier lieu. Et ensuite, évidemment, la question de vieux schémas, peut-être ce qu'on appelait les mandarinas avant, ou qu'on a aussi évoqué, c'est-à-dire le patriarcat, c'est-à-dire effectivement des schémas un petit peu de hiérarchie. Mais comme disait mon collègue artiste aussi, la question du doute qui traverse la réflexion intellectuelle et la recherche, c'est là où peut-être, quelque part, on est faible de notre force. La question du doute, elle est centrale. Je me permets quand même quelque chose, c'est-à-dire que là, j'ai fait aucun diagnostic. Je pars d'un schéma très simpliste de qu'est-ce qui contribue à la connaissance et l'information dans notre société, les acteurs, voilà. Et ensuite, je constate globalement, sans chercher si c'est la manière d'enseigner, si c'est la formation des profs, si c'est les moyens ou quoi, j'ai pas analysé les facteurs. C'est juste un constat global. Donc dans un deuxième temps, je vais essayer de diagnostiquer pour proposer des pistes de solutions à partir des contributions de chacun. Donc du coup,
peut-être vous êtes allé un peu vite dans la réaction à ce que je disais. Je vais arrêter parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants et donc je veux pas... Mais par contre, je vous invite du coup, une fois que j'aurai proposé mon diagnostic, à revenir et à dire, est-ce que ça change votre idée ou est-ce que au contraire, c'était bien, ça vous a bien choqué pour des bonnes raisons ou c'est juste que j'étais pas allé assez loin dans mon exposé ? Parce que là, c'est réellement choquant, mais notre situation est choquante. On l'a dit, il faut réformer le droit. Donc, ça n'a rien d'étonnant qu'il faudrait révolutionner l'école aussi. Et ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective. Donc, est-ce que j'avance sur la prochaine et vous réagissez N'hésitez pas à réagir sur la suite. Alors, bon, une explication de pourquoi ça ne marche pas. C'est que justement, en fait, ben, il n'y a pas que les enseignants sincères et les bons scientifiques qui font bien leur travail et tout ça. Il y a un écosystème mafieux de la connaissance. Est-ce que ça vous parle ? Donc, on va parler juste du climat. Hein. Il n'y a pas que les gens qui font bien leur travail. Il y a aussi des propriétaires pétroliers qu'on appelle les marchands de doutes. Qui corrompent certains scientifiques, certains journalistes, certains enseignants qu'on appelle climato-sceptiques, qui désinforment les citoyens, dont font partie les politiques. Voilà, je schématise, hein, encore une fois, mais ça peut être une hypothèse de pourquoi ça dysfonctionne. C'est une hypothèse, hein, j'ai pas fait les études moi-même. Et donc, on pourrait dire, en fait, il y a une sorte de concurrent du système de la connaissance, qui joue à l'inverse du processus d'information et qui, du coup, inverse le processus et conduit au greenwashing, à la croissance verte et au déni écologique. Ça va ? Ça vous choque ? Je continue ? Allez. Donc, le problème, c'est que... Donc ça, je pense que c'est vrai. Enfin, ça a été démontré par Noémie Oresque, etc. Donc ça, je pense que personne... Bah, c'est quelque chose qui a vraiment une puissance formidable. Mais comment ça se fait qu'on arrive à avoir un système mafieux alors qu'on a un système de la connaissance ? Comment ça se fait que le système de la connaissance ne contrebalance pas ce système mafieux ? Donc peut-être un manque de moyens, etc. Mais le problème, c'est que même le système officiel, lui, il dysfonctionne. Justement, peut-être à cause des marchands de doutes, je ne sais pas. Mais par exemple, à l'école, vous avez un exemple... qui est donné par Jean Covici, donc ça date un petit peu, c'est de 2010. Sur son site, il fait une recension d'un manuel de géographie assez grand public, Nathan, qui a une page sur le réchauffement global, qu'il qualifie de collection d'âneries, où, grosso modo, à part des bêtises scientifiques comme le soufre, qui est qualifié de gaz à effet de serre, alors que c'est pas le cas, ou des choses comme ça, il y a surtout une présentation trompeuse de la controverse sur le climat, où on a l'impression que ceux qui disent que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, ce sont des scientifiques militants et peu objectifs, et qu'en réalité, les vrais scientifiques, eux, ils pensent que c'est des variations naturelles. Voilà, donc ça, c'était transmis dans les manuels scolaires en 2010, j'espère que c'est plus le cas, mais rien n'est garanti, malheureusement. Si j'en prends un autre exemple, plus récent sur le Covid... Dans l'affaire du Covid, dans le premier confinement, même avant le premier confinement, en mars 2020, alors qu'on regardait de notre télévision l'Italie commencer à se faire décimer par le Covid, et déborder en tout cas dans les hôpitaux dans une certaine région, et pendant que les quarts de touristes revenaient d'Italie vers Lyon et sortaient, il y avait déjà plus de masques dans les pharmacies et on leur disait absolument rien. Eh bien, Thomas Pueyo, le 13 mars, c'est un entrepreneur franco-espagnol qui s'est lancé dans la pédagogie sur le coronavirus et qui a sorti un article passionnant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui essentiellement sortait ce graphique. Donc c'était vraiment pédagogique, hein, il avait lu des articles scientifiques et il a essayé de faire une synthèse pour dire aux gens, écoutez, va peut-être falloir faire un petit peu attention. Et donc il a regardé ce qui s'était passé tout simplement déjà en Chine, en Corée, en Italie. Et son constat, c'est, vu qu'on regardait toujours les chiffres des cas détectés, donc les cas détectés, c'est la barre jaune.
Donc il disait, voilà, chaque jour, vous regardez la barre jaune, là. Et vous faites comme si, ah ben non, c'est pas grave, il y en a 2 ou 3, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 100. Mais en fait, en réalité, il y a tous les caps à détecter. Et donc, il disait, bah, peut-être faudrait rehausser un petit peu les taux de contamination à partir des cas réels et pas juste des cas qu'on a détectés alors qu'on fait presque pas de tests. Donc lui, il fait ça, il a un magnifique article, il en a fait plein d'autres qui sont très impressionnants. Il est validé par de nombreux experts du domaine qui disent c'est un pédagogue extraordinaire, il faut que tout le monde le lise. Même nous, on n'a pas réussi à faire un truc aussi pédagogique. Et 3 jours après, on a d'un côté le 20 minutes qui fait une interview de lui, et qui est élogieuse, qui dit il explique ce que son travail, qu'il a réussi à faire un truc super. Et en même temps, le même jour, il y a la méthode scientifique de France Culture qui fait un démontage en règle de cet article et qui dit c'est une fake news. Voilà, mais sans, on a l'impression qu'il n'a pas lu l'article. Résultat, bah, plein de monde a suivi les conseils de France Culture et n'a pas lu l'article de Thomas Pueyo. Et 10 jours plus tard, et ben c'est l'Académie de Dijon qui prend l'article de France Culture comme un modèle d'information sur le Covid, enfin en général de méthode d'information pour les lycéens ou les collégiens. Donc c'est vraiment le modèle pédagogique, la désinformation est construite comme modèle pédagogique de l'information. Donc là c'est quand même assez profond et c'est encore en ligne, je pourrais vous filer le lien, l'article est pédagogique et encore en ligne. Donc voilà, vous voyez dans l'article, c'est fake news, ramassidannerie, etc. Et du coup, la citation de la pédagogie, c'est « Que dénonce le journaliste? Dans quel domaine le journaliste Nicolas Martin est-il spécialiste ?» Bon, en fait, il est spécialiste de rien. Et expliquer, alors, pourquoi l'article de Thomas Pueyo est dangereux, voilà. C'est le coronavirus qui était dangereux à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est les dysfonctionnements quand même du système tel qu'il existe officiellement. On peut aussi citer les fake news officielles du Covid, comme le masque ne sert à rien, les vaccins vont nous sauver, le Lancet Gate, etc. Je passe sur ces détails qui sont finalement ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Mais on a une crise plus générale de l'information, donc notamment du journalisme. C'est pour ça qu'il y a des médias indépendants qui, comme Blast et Off Investigation qui essaient de se bagarrer pour faire un autre journalisme que celui de BFM TV. On a la crise de la sensibilité de Baptiste Morisot, on a la notion d'infodémie dénoncée par l'OMS, on a la viralité du complotisme et puis la mafia d'État qui est la collusion entre les chefs des grandes entreprises du CAC 40, les hauts fonctionnaires de l'État et les responsables politiques du gouvernement. Et un exemple que vous connaissez peut-être, c'est la grande carte des médias français qui possède quoi. Et vous avez les plus grands milliardaires français et mondiaux qui possèdent à peu près presque tout. À droite, vous avez la partie publique. Heureusement, il y a la science. Pardon, j'essaie d'aller un peu vite, mais c'est à double tranchant, oui. Dites-moi. Oui. Oui. Alors là, c'était ironique, hein. C'est la deuxième étape, mais la science est aussi en crise. Okay. C'est juste que j'essaie de passer des idées reçues à... Voilà, j'essaie de trouver des formulations pour poser des problèmes complexes de façon rapide et efficace. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Oui, n'hésitez pas. Je vais le faire de manière très concise, très, très, très synthétique. Dites-moi. Je renvoie justement... C'est moi qui suis intervenu là il y a quelques minutes à propos de... Du ensauvagement de l'humain, hein, et puis de la pertinence de cet énoncé. Hein. Ce que je trouve très pertinent, c'est le contenu qu'il recouvre, ça, évidemment et incontestablement. Hein. Maintenant, l'énoncé n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Est-ce que, par exemple, cette difficulté ne contribue pas, d'une certaine manière, à l'inefficacité
de la production scientifique à convaincre effectivement un public plus large, à inviter, on va dire, un public plus large à contribuer à cet effort collectif. Vous disiez vous-même que le colloque, selon son argumentaire, s'adressait à un public de spécialistes, c'est-à-dire un public de gens motivés vraiment pour comprendre toutes les contradictions sous-jacentes à ce concept et pour être en mesure de le dépasser. Est-ce que le problème n'est précisément pas là déjà ? C'est-à-dire de choisir des énoncés qui puissent, comment dire, nous concerner plus collectivement. Voilà. Voilà. Alors là, on a souvent parlé d'anthropocentrisme hein, tout au long de la journée, mais est-ce qu'on n'a pas occulté, par exemple, aussi l'écueil du logocentrisme, c'est-à-dire cette culture des oxymores, cette fascination, par exemple, pour les paradoxes, c'est-à-dire d'une certaine façon, une certaine fascination pour le langage, alors que le langage devrait plutôt nous permettre à la fois de problématiser, de poser des problèmes et de clarifier vraiment les problèmes qu'on a à résoudre. Donc, pour moi, par exemple, je terminerai juste sur cette idée-là, parler d'ensauvagement de l'humain, quand on peut définir aussi en même temps ontologiquement l'humain comme un processus de désensauvagement, justement, ça fait peut-être partie précisément des problématiques. Est-ce que le processus de civilisation n'est pas ontologiquement, mais c'est une question que je pose, hein, je n'ai pas la réponse, c'est une question que j'adresse, un processus précisément de désensauvagement. À ce moment-là, la question, elle se reformulerait différemment. Ce serait comment articuler ce désensauvagement constitutif et ontologique avec le projet d'une civilisation écologique fondée sur une redéfinition de la relation entre l'homme et la nature. Vous voyez, est-ce qu'on pose vraiment suffisamment les problèmes ? Est-ce qu'on ne se précipite pas, justement, dans l'urgence, d'ailleurs, que vous avez d'ailleurs souligné, hein, et en tout début de journée, est-ce que l'urgence, d'une certaine manière, ne court-circuite pas la patience qui est requise vraiment pour prendre en charge la question écologique ? Voilà. Et est-ce que ça n'est pas à ce moment-là le rôle de la science de prendre ce temps ? Un intervenant d'ailleurs a tout à fait insisté sur cette urgence à prendre son temps, voilà. Et dans cette urgence à prendre son temps, prendre le temps justement de clarifier ces expressions et des expressions qui peuvent s'adresser à absolument tout le monde, de manière à ce que la connaissance scientifique et universitaire sorte finalement de cette figure on pourrait dire de l'intellectualisme tel qu'il est par exemple dénoncé par Bourdieu ou du pur snobisme bohème bourgeois bohème qui le stigmatise un peu souvent. Voilà. C'est-à-dire que la question écologique nous appartient à tout le monde. Voilà. Alors comment faire en sorte, est-ce que l'université n'a pas à porter en même temps cette responsabilité ? Voilà ma question. Alors, je vais laisser un certain nombre de gens répondre peut-être. Je vous remercie pour votre intervention, c'est Ludovic Duhem qui parle. Tout simplement ce que j'ai cru entendre, ce que j'ai essayé de mettre en place ce matin quant aux contradictions sous-jacentes, comme vous le disiez, de l'ensauvagement, du réensauvagement, du désensauvagement, de la question de la civilisation. Et je suis tout à fait d'accord avec vous aussi sur la problématique du logocentrisme. Moi, je renverrai à toute la chaîne que Derrida a essayé de démonter il y a maintenant une trentaine ou quarantaine d'années, avec beaucoup de puissance, à mon avis, dans toute sa pensée de la question de l'écriture. Mais pour en venir au langage, je vais juste vous dire quelque chose de très simple, simplement pour vous faire rêver, en espérant que ça vous fasse réfléchir aussi. Il faudrait changer le langage, ou plutôt complètement sortir, avoir un langage mésologique, c'est-à-dire que la logique du milieu soit celle qui structure... Oui, trajective, exactement, comme le dit Augustin Berg, et qui... Je suis entièrement d'accord avec vous. Et en fait, je vais vous donner un exemple.
C'est-à-dire que toute l'histoire du logocentrisme occidental est fondée aussi sur la prédication aristotélicienne du type l'arbre est vert, d'accord ? Avec la fonction à la fois déterminative et de copule du verbe être, et qui a une fonction substantialisante et objectivante. En tout cas, on lui a donné cette fonction-là avant tout. Alors qu'on pourrait utiliser le verbe « estre », comme on traduit parfois Heidegger, c'est-à-dire que de lui redonner sa transitivité au verbe être, sa relationnalité, qui sont deux choses très importantes, processus et relation, pour comprendre ce que c'est qu'un milieu et comment on s'inscrit dans un milieu. Mais je vais vous donner un exemple très concret, encore une fois pour vous faire rêver et peut-être réfléchir. Donc on dit « l'arbre est vert ». Une première façon de renverser le rapport est de mettre, par exemple, la question du milieu comme précédant le sujet qui parle, c'est de dire l'arbre verdois. C'est-à-dire que déjà, le vert n'est plus une qualité attribuée à un upokaimenon, à un subjectum, un objet qui est déjà prédéfini et qui serait sujet de la relation. Mais on commence à sentir que le vert n'est pas juste une qualité, c'est quelque chose qui s'épanche, qui s'étend, qui se donne dans une forme de transitivité que les phénoménologues pourraient aimer beaucoup. Mais moi, je n'aime pas beaucoup les phénoménologues. Mais ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai une troisième proposition à faire et qui est ouverte par la peinture de Cézanne. C'est-à-dire quand le blanc fait la suture, pour parler comme le poète André Duboucher, que j'aime beaucoup, à savoir, il suffirait de dire non plus l'arbre est vert, non plus l'arbre verdois, mais le verdoiement s'arborise, et le français le permet. Et contrairement à ce qu'on pense, on se dit toujours que c'est la langue française issue du grec, du romain, du provençal, etc., n'est pas la langue orientale, mais on peut orientaliser le français en disant le verdoiement s'arborise, c'est-à-dire que c'est le processus du milieu ayant cette tonalité, pour parler comme un Van Hook School ou autre, d'être dans la coloration verte, qui à un moment donné, mais à un moment donné seulement, se cristallise dans quelque chose que nous, on peut nommer arbre. Mais ça veut dire que c'est transitif, puisque le verdoiement peut tout à fait s'attacher ou se cristalliser d'une autre manière, par exemple dans l'eau de la mer ou dans le pull qui est porté par le corps. Et ça marche pour tout. Hein. Et en fait, ça renverse le rapport sujet-objet et ça le dépasse. Donc moi, c'est la provision que je ferai. Le verdoiement s'arborise. Voilà. Donc il faut changer le langage de cette manière-là. Et ça concerne la science. Parce que la manière dont la science parle, la science, bien sûr qu'il y a un enjeu d'objectivité, pour des raisons, c'est ce que j'appelle le réductionnisme méthodologique nécessaire, mais le problème, c'est de replacer les choses ensuite dans leur système de réalité, pour parler comme Simondon. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai besoin, pour décrire la fonction de l'œil chez le poisson, j'avais eu une discussion il y a quelques années avec Jean Petitot, que vous connaissez peut-être dans les sciences, sur cette question-là, en disant, ok, on peut essayer de comprendre la perception du poisson en retirant son œil du corps du poisson et le poisson de l'eau, mais il y a un moment, il faut remettre l'œil dans le poisson, il faut remettre le poisson dans l'eau, avec le sable, avec le soleil, avec les courants, avec les rivaux, avec les proies. Sinon, on ne comprend pas de quoi il est question. Et là, on retrouve un peu peut-être des enjeux de biosémiotique de Van Hook School et d'autres. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour ces remarques. Du coup, est-ce que ça vous intéresse qu'on parle de la crise de la science ou j'en ai déjà trop dit ? Ouais, j'aurais quand même une réaction. Il y a un truc important, un mot dont on n'a pas beaucoup parlé quand même, c'est le marketing. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les motivations à agir sur le plan écologique nous paraissent inatteignables, c'est d'abord parce que souvent on est écrasé par la grande échelle, où on se dit « je ne peux pas du tout agir étant donné que c'est sur une planète tout entière, j'ai ni le pouvoir de décision, ni le pouvoir d'action mobilisant les outils qui seraient efficaces pour ça. Deuxièmement, j'ai pas la connaissance suffisante pour être sûr que ça soit pertinent. Mais troisièmement, je suis conditionné au quotidien
par des enjeux de participation à la société pour me sentir utile et intégré, qui est un, de travailler, deux, de consommer, et que ça, ça ne peut exister qu'à courte vue et dans un cycle infernal et pervers de satisfaction et déception. Et que la puissance du marketing pour nous conditionner à être dans une forme pulsionnelle de l'existence et donc de consumérisme est extraordinairement forte. Et elle touche tous les niveaux de la société. Et on sait que la prolétarisation, comme disait Stigler, se généralise, puisque la science est dans une situation où les intellectuels ne peuvent plus jouer leur rôle. Parce que eux aussi sont prolétarisés. On sait très bien que le précariat, ça existe. À l'université, je donne un nombre de vacations considérables, payées au bout de 6 mois, que les intellectuels eux-mêmes, dans le rapport à la société, sont décrédibilisés quant à leur autorité, parce que l'information est disponible tout le temps sans rapport critique, et on se dit tout ce que dit l'enseignant peut être évoqué en doute parce que je peux avoir une autre source, et de toute façon la source officielle est d'emblée corrompu, disqualifié, oui, bien sûr, et qu'enfin, la mobilisation des intellectuels eux-mêmes dans le champ d'action est devenue assez faible, en règle générale. Il est très limité. Il y a Zemmour quand même. Oui, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, cet effet de prolétarisation et de conditionnement, elle n'est plus réservée à une population qui n'aurait pas eu la chance d'accéder à une formation initiale, qui n'aurait pas été alertée sur la dangerosité de l'aliénation par les écrans, ou je ne sais pas quoi. Elle touche effectivement par une forme d'intoxication extraordinairement subtile, et avec des milliards de dollars pour le réaliser, qui, évidemment, nous donne une grande difficulté, même en tant qu'intellectuel, à ne pas être pris dans cet ensemble et à ne raisonner qu'à court terme. N'oublions pas le principe freudien que nous sommes gouvernés avant tout, non pas par nos intérêts, mais par des principes de plaisir qui visent à l'économie de l'effort. Donc ça a une vertu, ça permet par exemple l'invention, pour nous épargner des choses trop difficiles, mais ça a aussi un contre-effet, hein, qui est celui de se laisser faire. Et là, on rejoint Kant, qui avait été cité ce matin, au début de l'après-midi, à savoir, qu'est-ce qui caractérise le plus Kant dans la problématique des Lumières, à savoir oser user de son entendement, exercer sa liberté, parce que si on n'exerce pas la liberté, on nous en prive dans ce texte. Eh bien, il dit, c'est la paresse et la lâcheté. Notre tendance naturelle, c'est la paresse et la lâcheté, nous en remettre aux autres pour décider notre condition. Et donc, c'est la première lutte à mener, c'est en effet une lutte contre soi-même. Et la difficulté, c'est que même les plus grands intellectuels qui sont censés faire circuler la pensée pour la mettre en débat, et puis éveiller les consciences, et donc faire passer à l'action, sont désormais eux-mêmes presque incapables d'user de leur entendement. Par exemple, l'algorithmisation de la science, ça a un effet considérable sur la science elle-même. Et la technoscience aussi, dont Benson Vincent a très bien parlé, qui est devenue moins une science qu'une stratégie de type économique. Et ça affecte grandement la science aussi. Alors, rêver d'une science pure ou qu'il y a eu une science pure ou que la science fondamentale serait la science pure, je pense qu'il faut faire très attention aussi. Évidemment, les biais sociaux et politiques existent toujours. Il n'empêche qu'il faut être alerté sur le niveau, en effet, de prolétarisation et d'aliénation des intellectuels eux-mêmes. Oui, donc c'est Hervé Philippe. Je voudrais un peu réagir sur ça et sur les aspects... que je trouve un petit peu recherche de bouc émissaire en dehors du monde de la science, et réfléchir en fait au monde de la science en tant que tel. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de modestie que ce qu'on a, et je vais un petit peu témoigner de mon point de vue, de ma formation d'origine dans les technosciences, analyse bioinformatique des données génomiques. Et ça fait depuis 15 ans que je suis dans l'urgence de vouloir essayer de contribuer de mon point de départ, à essayer à faire quelque chose pour la crise écologique, hein, et en fait de réfléchir à la question à qu'est-ce que la science pourrait apporter ou ne pas apporter
Et je pense en particulier que quand on étudie toutes ces questions de crise de la science, etc., le fait que le doute peut intervenir très facilement, etc., c'est vraiment quelque chose que je ressens très concrètement dès que je sors de mon domaine d'expertise, où dans mon domaine d'expertise, je suis, je pense, assez réputé pour mon esprit critique. Mais exercer mon esprit critique dans des domaines qui sont un tant soit peu éloignés, mais vraiment un tout petit peu, hein, de mon domaine de recherche, c'est difficile. Hein. Donc là, si je reste dans le domaine de la biologie, si je passe de la macroévolution à la microévolution, déjà, je commence à perdre pied. Mais alors, si je commence à essayer d'aller dans un autre domaine de la sociologie, ou là, j'ai l'incapacité presque totale d'exercer sérieusement mon esprit critique, tout simplement parce que je n'ai pas toutes les informations, la formation, etc., et le temps. Et donc, je me demande si toutes ces critiques que l'on fait à la science, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à accepter les limitations cognitives de l'espèce humaine, et que, en fait, ce qui est important, c'est l'approche scientifique empirique que l'on pratique par soi-même. Mais dès qu'on commence à le faire pratiquer par d'autres, ben, en fait, on perd le fondement même. Sauf si les humains étaient parfaits et qu'on ait une confiance parfaite en eux, mais c'est pas le cas, et puis en plus ils peuvent se tromper, ils ont tous des biais, etc. Donc je me demande dans quelle manière une science ensauvagée ne serait pas une science que l'on contrôle nous-mêmes, en fait, où on a vraiment une capacité d'appliquer la méthode scientifique aux informations, etc., dont on a besoin. Ce qui nécessiterait forcément une science à beaucoup plus petite échelle, avec forcément beaucoup, beaucoup moins de techniques, et limité à un nombre de questions beaucoup plus restreintes, parce que dans le cadre d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, on ne pourrait pas aborder toutes les questions que la science aborde, comme par exemple toutes les questions d'astronomie ou les questions de microbiologie. Ça serait des choses qui seraient tout à fait inabordables. Et je me demande vraiment si un des gros problèmes de notre société, et de la science en particulier, c'est vraiment cette absence de modestie. Et en particulier, une absence de modestie qui me caractérise très bien. Quand je me dis, en tant que scientifique, je vais contribuer à résoudre la crise environnementale, ben non, pas du tout. En fait, je suis très mal armé pour résoudre la crise environnementale. Et donc, je pense qu'il faut vraiment penser à cet aspect de modestie dans le monde de la recherche, et que c'est vraiment un critère que l'on devrait vraiment voir comment on peut l'intégrer dans notre travail. Faire son travail, c'est assez modeste comme objectif. J'ai fait une petite liste du dysfonctionnement du cœur du système, de l'écosystème. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez que je vous donne quelques détails, donc j'ai essayé de partir des critères de la scientificité tels que j'ai pu les... Il manque crise du financement, qui a un effet de directionnalité sur les choix à opérer, sur ce qui est important de connaître. Alors, manque de financement... Quand l'existence de votre laboratoire dépend de votre sujet de recherche en tant qu'il s'inscrit dans une logique de rentabilité économique, évidemment, ça oriente la science. En tout cas, une partie de la science. C'est ça que je veux dire, en tant que crise de financement. Biais de financement, en fait. Ou biais de financement, oui. Bah, oui, il manque des financements, sans doute, mais même en dehors de ça... J'ai pas dit un manque de financement, j'ai dit une manière de financer, et ensuite il y a des politiques de financement, oui, qui varient en fonction d'enjeux qui sont avant tout économiquement déterminés. Voilà. Oui. Okay. La décrédibilisation et le retrait concret de subventions, par exemple, à l'égard de certaines sciences fondamentales, le fait qu'on ait délaissé, par exemple, très longtemps les sciences du sommeil, parce qu'il n'y avait pas d'application immédiate pour vendre du médicament pour les gens, voilà, c'est tout. Mm. Ah oui, ça c'est sûr. Mais moi, en fait, j'ai essayé de faire la liste des points qui sont indépendants de ce qui est extérieur. J'ai vraiment essayé de lister des facteurs internes au fonctionnement de la science. D'accord. Et c'est parce que c'est là-dessus qu'il me semble qu'on peut agir de l'intérieur. Et donc j'ai essayé de lister les critères de la scientificité qui sont bien sûr l'objectivité, on va dire positivité pour utiliser le terme de Kant. Après, il y a la cumulativité, puisqu'il faut une division du travail pour faire de la science. Après, il y a la vérifiabilité et la reproductibilité. Et le plus
fascinant, il me semble, c'est celui qui est la crise de la reproductibilité qui a été dénoncée par Ioannidis 2005 dans son article qui est cité des millions de fois, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, donc ça, pour vous, c'est une référence connue ça fait partie de... Voilà, pour moi, ça fait partie des éléments qui sont un constat qui a été fait depuis longtemps, qui a été reproduit en termes de recherche dans différentes disciplines. C'est un fait que la science dysfonctionne au niveau même de son critère le plus fondamental, qui est la reproductibilité. Et ça, c'est une question de comment on fait de la science en pratique. C'est pas... Voilà. Après, il y a la question de l'inflation de la publication, qui est liée à l'injonction du publisher périge, qui est liée au fait de véhiculer des finances, de rechercher des financements, etc. Il y a l'hyperspécialisation, il y a la mafia scientifique, qui est celle des grands journaux qu'il faut acheter pour pouvoir publier. Voilà, je ne peux pas les lister parce qu'il y en a trop, mais il y a tellement de critères de dysfonctionnement interne au fonctionnement direct et brut de la science, qu'en fait, on ne peut pas s'étonner que le système de l'information dysfonctionne, alors que toutes ces échelles dysfonctionnent, et en particulier le noyau dur de la connaissance dysfonctionne. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de très simple et très immédiat pour améliorer tout ça, c'est de trouver un noyau dur du système et le connecter avec les autres éléments du système dans une forme de démocratisation de la méthode scientifique, sous une forme unifiée, c'est ce que vous disiez, accessible à tout individu. Ça va pas marcher pour les domaines hyper techniques, mais qu'on ait suffisamment de cadre général de qu'est-ce que c'est la méthode scientifique, des sortes de grandes lignes. Et pour moi, le modèle de ça, c'est Cache Investigation, c'est des journalistes, et pour moi, c'est des gens qui font le boulot des scientifiques à la place des scientifiques, notamment dans leur documentaire sur les semences. Ils font un travail de scientifique. Après, ils ont fait des bases de données sur la santé, des bases de données sur la pédophilie dans l'Église catholique. Enfin, pour moi, ils font vraiment un travail de scientifique avec les moyens qu'ils ont. Et dans les semences, c'est très simple. Ils vont acheter des tomates chez un maraîcher bio, des tomates chez un maraîcher industriel, hors sol. Et ils vont faire des tests dans un laboratoire et ils comparent les nutriments des deux. Et apparemment, ils ont contacté les autorités. C'est certainement, ils n'ont pas trouvé les bonnes sources, mais les autorités responsables de ces questions-là n'avaient pas l'information. C'est eux qui ont dû faire payer le laboratoire pour faire ça, quoi. Je veux dire, avec des bouts de ficelle, on peut faire mieux que ce que fait la science actuellement. C'est ça qui me fascine, et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Juste pour rappel, du point de vue des critères bibliométriques actuels, Albert Einstein serait un mauvais chercheur. Il a révolutionné la physique avec 3 articles. Et alors ? Ça va dans votre sens, par rapport à la critique de la publisher perish. Ah, d'accord. Ah oui, c'est dans le sens où c'est pas symptomatique que la science fonctionne d'avoir beaucoup de publications. Oui, exactement. Ok. Ah ben ça, oui, c'est ce qu'on appelle la loi de Lotka. Voilà, qui est lié au biais linguistique dont vous parliez, enfin, que moi j'analyse, lié à la loi de Zipf. Le plus étonnant, c'est que cette bibliométrie comme nouveau système de l'audience généralisée, qui vient donc de la mesure de l'audience issue des médias, s'applique désormais à la philosophie, qu'on rabat donc à un enjeu de science humaine. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas ce que c'est que la philosophie comme science humaine. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et dans le sens où la philosophie n'est pas une science, première chose, et elle n'a pas pour seul objet de décrire le fonctionnement, les lois ou les conditions dans lesquelles l'être humain se comporte ou je ne sais quoi de ce genre. Éventuellement, elle s'est comportée comme étant la reine des sciences pendant longtemps. Elle pourrait peut-être considérer que son travail est celui de fonder les sciences, éventuellement, mais de la présenter comme science humaine, ça me paraît extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, si on prend des grands philosophes, comme par exemple Schopenhauer, c'est un mauvais chercheur. Si on prend Bergson, c'est un mauvais chercheur, et ainsi de suite, qu'on pourrait allonger la liste. Et donc il y a une vraie absurdité par rapport aux enjeux réels, mais on sait pourquoi la bibliométrie s'est imposée, hein, encore une fois, liée à des questions de financement.
J'aimerais juste réagir sur un petit point qui, moi, me semble important et peut-être de manière provocante. C'est est-ce que on a vraiment besoin des théories d'Albert Einstein ? Ça dépend pour quel besoin vous énoncez, évidemment. Est-ce que c'est grave qu'il ne soit pas considéré comme un bon chercheur ? De mon point de vue, je me fous de ce que la bibliométrie dirait d'Albert Einstein, ça c'est clair. Oui, mais si on regarde les conséquences des théories qu'il a développées, c'est quand même des développements technologiques dont on n'a pas forcément beaucoup envie. Si on voit toutes les technologies militaires ou autres... Souvenez-vous de ce que lui en pensait. Souvenez-vous de ce que lui en pensait et comment il avait anticipé. Plus ou moins bien. Oui. Il y a Mariette qui veut... Vertige de la science. Hein. Ah pardon, Stéphane. Moi, je voulais juste commenter le fait que, en fait, dans ta diapo précédente, oui. Pour moi, c'est pas intrinsèque à la science, en fait, ça. Ce qu'on discute là, juste sur le publish-or-publish et la bibliométrie, si Einstein, il a révolutionné quelque chose avec trois articles, ça veut bien dire qu'entre Einstein et maintenant, il s'est passé quelque chose. Ah pardon, on vous entend pas. Peut-être je vais vous les... peut-être autant que le... il y a un micro de libre, donc autant en profiter. On fait le bocal, la méthode du bocal. Oui, désolé. Ouais, je voulais juste dire que pour moi, en fait, c'est pas forcément interne à la science ou à la méthode scientifique. Ce problème de la bibliométrie, donc Ludovic, vous proposez que ce soit dû au système de financement, c'est sûr. Mais entre trois articles d'Einstein qui révolutionnent tout et maintenant, où en fait on n'est pas un bon scientifique finalement pour caricaturer si on ne publie pas et si on ne publie pas beaucoup, il s'est passé quelque chose et pour moi il s'est passé... Et c'était un peu le propos là, de notre texte là, des scientifiques en rébellion. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé un asservissement. Le terme d'aliénation a été utilisé à quelque chose qui est extérieur, en fait. Voilà. Donc c'était un peu notre propos de dire pour notre point de vue, c'est que réensauvager la recherche et la science... Ça va participer de ça. Mais, en fait, pour... C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on discute aujourd'hui, à la limite, ça n'existerait pas dans le système actuel si on n'en fait pas plein d'écrits qui vont être notés, intégrés dans notre CV, etc. Bah, sauf si on accepte de fonctionner entre nous sans écrit et de créer des collaborations. Mais j'ai un exemple très concret qui me fait dire que c'est interne. Non, mais ça m'intéresse beaucoup et à discuter. Parce interne que, voilà, ou externe, mais bon. Non, mais ce qui me fait dire que moi, c'est vraiment interne, ces questions-là, c'est que c'est de l'ordre du fonctionnement des scientifiques, alors qu'ils pourraient faire autrement. Et l'exemple, c'est il n'y a pas de formation scientifique des chercheurs. Quand on est doctorant, on se forme sur le tas. On n'a pas de formation scientifique à proprement parler. Ce qu'on apprend, c'est comment font les autres scientifiques qui sont déjà en poste dans notre communauté. C'est tout. C'est pas une formation scientifique à proprement parler. C'est une formation à comment font les scientifiques autour de nous. Mais on ne sait pas... vu le contexte général de la crise de la reproductibilité, moi, on a... Enfin, je sais pas, je peux pas généraliser sur toutes les écoles doctorales et tout ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit systématique l'enseignement de cette crise de la reproductibilité et de tous les autres aspects des limites du fonctionnement scientifique. Sinon, on le verrait, il y aurait des changements de comportement, etc. Mais le problème, c'est que c'est des habitudes qui se reproduisent. Elles se reproduisent parce que les doctorants les reproduisent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien interne. C'est on choisit de continuer à publier plus d'articles plutôt que de réfléchir à comment faire autrement et former des doctorants autrement. Oui, mais la recherche scientifique, elle n'est pas hors sol. Et c'est ce qu'a dit Ludovic tout à l'heure ou Stéphanie à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a tout un système autour de la science qui fait qu'on arrive à des choses comme ça. Tu as parlé du marketing. Moi, je pense que le marketing, l'auto-marketing des chercheurs ou le marketing plus largement des labos, enfin, c'est vrai, ça existe, quoi. Même si on ne l'appelle pas comme ça, ça ne fait pas chic.
l'entrepreneuriat de soi. Voilà. Donc c'est, ça, c'est pas hors tout, c'est pas la science en elle-même, c'est aussi dans le cadre dans lequel elle est insérée. Ah oui, donc vous pensez que les chercheurs sont un peu victimes? Pris dans un système comme... Moi, j'y crois pas du tout, hein. Franchement, dans mon milieu, j'y crois absolument pas. Alors, est-ce que ça n'arrive jamais, alors, ou j'ai pas compris votre position, est-ce que ça n'arrive jamais qu'on dise à quelqu'un en master, il faudrait que tu fasses un mémoire là-dessus pour qu'ensuite tu enchaînes sur ta thèse, et ta thèse devrait plutôt porter là-dessus parce qu'il y a un poste qui va s'ouvrir, et ce poste va s'ouvrir parce qu'il y a un laboratoire qui peut l'accueillir, attendu qu'il y a des financements qui intéressent un certain nombre de gens, dont éventuellement l'État, et que ça va te permettre d'ici 5 ans d'avoir un plan de carrière, une vision possible, etc. Je peux vous dire que ça existe même en philosophie, où par exemple, on vous dit, si vous voulez être recruté comme enseignant à l'université, il va falloir que vous donniez des cours depuis la licence jusqu'au master, et il faut donc nécessairement, ou du moins c'est mieux, de faire une thèse assez classique qui met en rapport plusieurs philosophes, parce qu'on pourra tout de suite considérer que vous êtes capable de donner des cours sur ces gens-là et que vous n'êtes pas dans une hyper spécialité. J'ai déposé une thèse sans faire de parcours universitaire en 2008 que j'ai soutenue sur un philosophe qui était inconnu, où aucune HDR ne pouvait m'encadrer, et en plus avec une documentation disponible à cause de l'édition de son œuvre qui était quasiment inexistante, où j'ai travaillé en grande partie sur des polycopiés. Donc du point de vue de la carrière, et on me l'a dit, et ça a été vrai, je me tirais une balle dans le pied, je ne trouverais jamais de poste. Et ça a été vrai. 20 ans après, ou presque, maintenant, il vaudrait mieux faire la thèse que j'ai faite. Maintenant. Mais pas il y a 20 ans. Donc, il y a un effet de conditionnement qui s'opère soit de manière directe et ostentatoire, tu dois faire ça, sinon... Et d'un autre côté, il peut y avoir des effets beaucoup plus subtils, beaucoup plus pervers, où on vous fait comprendre que ça vaudrait mieux, que ça pourrait permettre de, etc., etc. Le nier, c'est être naïf, je pense. Pour moi, il n'y a pas de science pure, il n'y a pas de science totalement hors sol, en effet, qui n'est pas de biais sociologique, de biais économique. Le problème, c'est que cette pression sociologico-économique est de plus en plus puissante. Et là, ça crée non seulement des influences, mais même des détournements et des assignations par la commande liées au financement. En tout cas, j'ai peut-être des biais moi aussi, mais ça me semble assez puissant. Et c'est des gens du monde des sciences, dans la sociologie des sciences aussi, qui le montrent de manière assez nette, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui désespèrent de ne pas pouvoir faire leurs recherches qui leur semblent importantes, de type fondamental, parce qu'on leur dit « ça ne sert à rien et ça n'a aucun intérêt ». Bon, peut-être que finalement, les gens qui pensent ça ont raison. Mais parfois, l'impulsion d'aller vers l'inconnu est plus forte. Mais on la rend de plus en plus difficile, à mon avis. Enfin, voilà. D'accord, zut, alors je n'ai pas convaincu la communauté. Moi qui croyais avoir la solution. Oui. Complètement d'accord avec ce que Ludovic Duhem vient de dire, c'est ce que je vois à l'université. En même temps, je crois que l'université, c'était un lieu de liberté d'un point de vue constitutionnel. Hein. On a toute liberté de faire l'enseignement que l'on veut. On n'est pas inspecté comme au collège ou au lycée, les profs le sont. Et on a toute liberté de faire la recherche que l'on veut. C'est quand même pas mal. D'un point de vue légal, hein. On n'a pas de supérieur hiérarchique. Et donc, même si tout ce que tu dis est archi vrai, hein, et c'est ça qui fonctionne, hein, on avait une liberté, parce qu'on est en train de disparaître, mais on avait une liberté dont on n'a pas profité assez. Ah, alors là c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on rejoint un peu ce que je voulais dire. Ah, merci beaucoup, madame Thomas. Personnellement, j'ai profité de cette liberté. Et je m'en félicite, c'est-à-dire d'avoir pu croiser ma science génétique végétale de départ avec de la philosophie plus récemment pour m'ouvrir des barrières et me réensauvager comme aujourd'hui. Il faut qu'on continue. Oui. Il ne faut pas lâcher. Le problème, c'est que d'un point de vue du recrutement des maîtres de conférences, les choses sont en train de changer et que cet espace de liberté est en train de se réduire à peu de chagrin.
je suis d'accord sur ce qui a été dit, le fait que, bien évidemment, la recherche et l'université sont dirigées par les politiques et par l'économie. Et l'économie, ça ne fait aucun doute. Hein. Mais ce que j'aimerais questionner, c'est cette liberté dont on est souvent si fier. Il faudrait quand même bien mesurer à quel est son prix. Et en particulier, le fait qu'on exige de toute une partie de la population de nous fournir les ressources nécessaires pour faire notre travail. Et cette aliénation de la population, bah, me semble-t-il, il faudrait qu'on soit capable de la justifier en ayant un certain retour vis-à-vis de ces gens-là. Donc moi, c'est une obligation que je me sens en tant que fonctionnaire, en quoi je peux être utile. Et malheureusement, je n'y arrive pas à rendre ce que les autres me donnent. Et puis aussi, il ne faut pas sous-estimer du tout le coût environnemental que ça a, puisque si les gens sont obligés de produire plus que ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes, ça se fait en général au détriment de la nature. Ça nécessite d'avoir des plus grands rendements. Si on prend l'agriculture, ça nécessite d'utiliser des engrais, etc. Parce que il y a moins de personnes pour travailler, parce qu'il y a plus de personnes qui vont se retrouver à l'académie, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment bien analyser le coût de notre liberté. Et qu'est-ce qu'on doit rendre pour compenser ce coût? Et pour moi, ce n'est pas du tout évident. Ça me paraît assez crucial, cet aspect-là. Et donc, rendre ses services, c'est un peu ça que j'appelais faire notre travail. Quitte à ne pas publier de livre tout seul, ou sur le sujet qui nous plaît le plus... mettre entre parenthèses nos sujets de prédilection parce que peut-être il y a autre chose à faire de plus urgent, donner plus de place aux étudiants dès la première année pour les former. Alors là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le rapport Jouzel qui vient de sortir, ça vous dit quelque chose? Oui. Du coup, moi j'ai... Pardon? Il y a plusieurs rapports Jouzel. Il y a plusieurs. C'est le climatologue. C'est le rapport Jouzel Abadi qui a été commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour justement généraliser la formation aux enjeux écologiques à l'université. Donc ça, par exemple, c'est un truc qui pourrait être pas mal. Du coup, moi, j'ai commencé à le mettre dans mes cours de morphologie. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais... J'ai pas attendu que ça se mette en place. Oui. Je sais pas ce que c'est le rapport Jouzel Abadi, mais en tout cas, moi, ce que je vois à l'université, c'est la mise en place d'ateliers qu'ils appellent Frise du climat. Presque du climat, qui est un catéchisme du GIEC. Oui, un peu simplifié. C'est problématique quand même. Ah, bah, de toute façon. La science, c'est un questionnement, c'est pas, je répète. Oui, mais qu'est-ce que c'est une licence? C'est les cours magistraux, l'université est fondée sur les cours magistraux. C'est quand même... peut-être que je fais des raccourcis, mais... Oui, pas de souci. Pour avoir utilisé l'outil à l'université de Bordeaux, et en fait c'est bien plus que ça, parce que vous avez participé d'ailleurs à une fresque ou pas? Oui. Voilà. L'idée est vraiment de mettre en place un dialogue avec les participants et pas de juste arriver avec un schéma de pensée. Donc ça me gêne un peu d'entendre dire que la fresque du climat c'est un copier-coller du GIEC ou un résumé du GIEC. Non, l'idée c'est de donner les grandes bases de compréhension de manière la plus... C'est de la sensibilisation, hein, pour diffuser le plus large possible, et après amener l'atelier, les participants et participantes à en discuter ensemble et voir que c'est compliqué, c'est complexe, et qu'il faut arriver justement collectivement à trouver des solutions et à se mettre en mouvement. Donc c'est... Oui, alors, je concède qu'effectivement, c'est uniquement basé sur ces rapports scientifiques et uniquement centré carbone, ce qui est la base du... Mais il est posé comme ça, positionné comme ça,
Et je pense que c'est important qu'en tant qu'animateur ou animatrice de ces ateliers-là, on puisse définir le périmètre en disant on est là pour discuter de ce problème-là et ce n'est pas l'unique problème. Et à partir du moment où l'animateur et l'animatrice positionnent le débat dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire que tout le reste est écarté. Mais c'est un énorme. Vu les enjeux et vu l'urgence, comme le disait Gauvin, je pense que c'est important d'avoir des outils assez facilement duplicables et côté un peu massif, vu les nombres d'étudiants qu'on a. L'Université de Bordeaux, c'est plus de 55 000, 56 000 étudiants et étudiantes. Donc si on veut juste commencer à mettre un pied dans la porte, il faut bien commencer. Et cet outil-là, il a l'intérêt d'être assez facilement diffusable. Et d'avoir ce côté un peu... Maintenant, ce n'est pas la seule réponse. L'autre intérêt que j'y vois, c'est que ça permet aussi de mobiliser les équipes. C'est-à-dire que des collègues se sont formés et ça les a obligés à aller lire des choses, à aller se documenter et de prendre conscience et donc de se mettre aussi en mouvement. Donc, j'ai pas trouvé de solution miracle. Si vous en avez des chances, je suis prêt à les entendre et à les tester. Mais voilà, pour mettre en mouvement une communauté de 55 000 étudiants et étudiantes et plusieurs milliers de personnels, c'est juste... des inerties qui sont juste énormes. Et donc c'est un outil parmi d'autres et on va bien sûr pas s'arrêter là, hein, mais c'était une manière de commencer. C'était juste par rapport à pour discuter de la partie fresque. Oui, l'important c'est d'avoir toute une palette d'outils qui se complètent les uns les autres, vu que chacun sera limité à un public. Et puis sur des questions climatiques, quand même, c'est compliqué d'avoir des informations fiables si on n'a pas des grosses équipes et des gros moyens d'observation difficilement accessibles au commun des mortels. Sur d'autres questions, c'est plus possible. Il faut essayer de compléter avec d'autres visions, mais... Et pour faire le parallèle avec le réensauvagement, c'est que ça permet de planter des graines, justement. C'est-à-dire que dans ces ateliers-là, il y a des questions qui arrivent et qui vont être... Enfin, on espère en tout cas qu'elles vont pouvoir être creusées à travers les champs disciplinaires que les étudiants et étudiantes vont rencontrer dans leur formation. Et c'est ça qui fait aussi bouger. C'est notre rôle de formateur, d'accompagnateur ou d'accompagnatrice, c'est vraiment aussi d'arriver à positionner ces questions-là. Et d'ailleurs, on n'a pas souvent la compétence pour aller les traiter nous-mêmes, mais à partir du moment où la graine est plantée, j'espère que chaque étudiant et chaque étudiante va faire son chemin et va s'en saisir pour pouvoir après... être armé suffisamment et déployé. Donc il faut voir aussi ces ateliers, c'est trop réducteur de les voir comme juste un enseignement à l'instant T, c'est aussi cette capacité à pouvoir aller creuser les questions plus loin, mais il faut que ça soit pensé comme ça dans le schéma de formation, et nos formations pour l'instant elles sont pas prêtes, elles sont très en silo et très enfermantes, donc c'est aussi tout un travail à arriver à décloisonner, remettre des espaces de pensée et permettre aux enseignants très disciplinaires d'accepter d'être juste accompagnateurs par rapport à des questionnements qui peuvent être plus larges et qui dépassent leur domaine de formation. Mais ça, c'est presque utopiste. Mais c'est vers ça, je pense, qu'il faudrait arriver à tendre si on veut pouvoir avancer ensemble sur ces questions qui sont d'une complexité quand même impressionnante. Merci pour ces précisions. Juste oui. un petit commentaire, je trouve que cet exemple sur le GIEC et le climat me semble un bon exemple de la crise de la science, justement. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où on se sent obligé d'être dogmatique. On ne peut plus enseigner la science. On est dogmatique. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, on passe. Moi, quand j'essaie de parler de ce que je fais aux gens, je suis obligé d'être dogmatique. Je ne peux vraiment discuter de science qu'avec une poignée de collègues dans le monde qui ont les compétences assez proches des miennes. Et moi, pour moi, c'est le fondement de la crise de la science, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de spécialisation qu'on ne peut être que dogmatique. Et quand on est dogmatique, ben forcément, ça ouvre la passe au doute, au déni, à tout ce qu'on veut. Et est-ce que c'est pas ça la base de la crise de la science? Et qui serait un problème beaucoup plus interne qu'externe? Parce que c'est clairement, c'est pas les gens du GIEC qui méchamment nous empêchent de comprendre et d'expliquer. C'est simplement que c'est tellement compliqué, ça nécessite d'avoir tellement de mesures, de modèles, etc., que on ne peut pas faire autrement que le dogmatisme. Ou alors il faudrait l'enseigner dès le plus jeune âge, au lieu d'apprendre par cœur des choses pas toujours la méthode scientifique. La démarche scientifique de remise en doute, alors que tout notre système d'enseignement est de l'apprentissage par cœur et de la croyance de ce que des gens nous disent, mais même dans les formations de médecins. Les formations de médecins, les médecins, ils sont formés par des gens qui leur disent « Voilà, alors tel médicament, il faut faire ceci, il faut faire cela, celui-là, il est mieux que celui-là. »
ils ne mettent même pas de référence scientifique, alors qu'il y a des protocoles très sérieux en médecine pour savoir si c'est un médicament efficace ou quoi. Alors, et c'est des choses toutes bêtes comme ça, quoi. C'est vraiment... on est dans un système de domestication des esprits par la croyance des gens qui nous disent quelque chose et qui sont plus grands que nous, donc, ou qui sont derrière un bureau. Donc forcément, ça aide pas à réfléchir. Direct et indirect. Tout à fait. 100% d'accord. C'est ça, c'est un peu ça que je proposais. Il y a la démocratisation de la méthode scientifique et de la connaissance directe. Si je puis me permettre juste une incise de peur que... Enfin, de peur, je sais pas si c'est si essentiel que cela, mais pour moi, le réensauvagement de la science, il participerait d'au moins trois choses. La première, c'est de remettre en question la nature comme objet, ou comme objet permanent. Comme je le disais, il y a un réductionnisme méthodologique qui est nécessaire en science, hein, sans lequel on ne peut pas arriver à passer de la recherche à la connaissance, puisque la science, c'est ce qu'on sait, la recherche, c'est ce qu'on essaye de savoir, alors qu'on n'est pas sûr de le trouver. La deuxième chose, c'est rétablir le lien au terrain, que moi j'appelle plutôt le lieu, ou le lieu comme expression singulière d'un milieu. Je donne un exemple, j'ai enseigné à l'ENS Paris-Saclay et au sujet de l'éthique environnementale. Et c'était des ingénieurs pendant une semaine. Et puis je leur ai donné des cours sur la mésologie, c'est-à-dire ce qui a précédé à la fois l'écologie et qui est redéveloppé aujourd'hui par Augustin Berque. Je leur ai fait que parler du rapport au milieu. Je vais désactiver le son. Ouais. Et à la fin du cours, le dernier jour, je leur ai dit « Maintenant, on va dehors et on va marcher sur le plateau de Saclay qui a été totalement artificialisé. On a perdu des terres arables et on a détruit une quantité considérable d'écosystèmes. » Et ça continue parce que la construction est freinée, la bétonisation est quand même extrêmement puissante. J'y suis retourné encore il y a peu de temps. Et la dernière chose, et qui me paraît la plus prometteuse et la plus intéressante, c'est que la science n'est pas uniquement humaine. Alors bien sûr, ça pose d'énormes questions d'un point de vue philosophique. C'est y a-t-il une science animale, par exemple ? On sait aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle une zoopharmacognosie, c'est-à-dire une connaissance de la thérapeutique à apporter selon les affections perçues consciemment par les animaux. On a pu le constater chez les primates supérieurs comme les bonobos et chimpanzés, notamment pour l'élimination des parasites. Une très belle bande dessinée là-dessus qui s'appelle Singe. Ah, ça, je ne savais pas. Mais il n'y a pas que les singes qui font ça. La zoopharmacognosie, ça existe chez les renards également. On pourrait même l'appliquer au chat domestique qui va se purger en mangeant de l'herbe pour retirer la pelote de poil qui est au fond de l'estomac, etc., etc. Et le plus extraordinaire, c'est que plus on les observe, plus on se rend compte qu'il y a une adaptation de la thérapeutique à ce qui est ressenti comme étant la maladie qu'il faut éliminer. Alors j'essaye de pas trop anthropomorphiser, évidemment, mais c'est compliqué. Mais c'est tout à fait passionnant de se dire, une science animale existe-t-elle, attendu que l'animal n'est pas l'objet là. C'est le sujet qui produit la science. Bon, ensuite, il faut discuter de quoi on parle quand on parle de science, évidemment, sitôt qu'on sort du champ strictement humain. Mais je trouve ça, en tout cas, extrêmement passionnant. Et ça serait une manière de réensauvager la science que de se dire, et si nous n'étions pas les seuls à être non seulement les garants, les cautions de ce qu'on appelle la science, mais même les producteurs. 100%. Voilà. Quand on est simondonien, l'invention et la découverte scientifique, ça vient de l'intuition. Donc... Bon, enfin, un certain type d'intuition post-bergsonien, mais je ne vais pas développer. La raison sensible. Mais du coup, merci beaucoup.
On va s'acheminer vers la fin de cette table ronde, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de prolongements à faire. Nous avons une dernière intervention qui est prévue, et je vais faire la transition en raccrochant à la fois avec le thème de la table ronde et l'initiative de cette journée, qui, vous avez remarqué, d'une part, est un peu bancale par certains endroits et un peu dense en termes de rythme, voilà. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a fait certains choix de conception et d'intervention. On a essayé de diversifier un petit peu les formats, même si on n'a pas eu autant d'interactivité qu'on voulait. Et on a essayé de privilégier l'association de différents profils d'intervenants. Donc vous avez peut-être entendu David Trifilio, le kinésithérapeute qui est intervenu ce matin, qui n'est pas un intervenant académique. Donc on peut certainement pas faire ça dans tous les domaines, mais d'ouvrir les colloques, notamment, où on parle, ça va, parler c'est pas trop technique normalement, ça laisse de la place à de la souplesse, à des intervenants qui ne sont pas académiques, ça doit se faire d'ailleurs dans pas mal de champs techniques, j'imagine, mais ça peut être un moyen de réensauvager la recherche. Et puis, on a choisi aussi de faire intervenir des jeunes chercheurs. Et donc, notamment, nous avons deux interventions de personnes en master, ce qui n'est pas très courant dans des colloques de ce type, même si ce n'est pas un colloque international. Et moi, j'ai trouvé que les communications étaient tout à fait potables. Donc, il y a des choses où on n'a pas besoin d'avoir 36 000 années derrière soi pour faire des choses et des contributions intéressantes. Donc, ça serait bien de le rappeler. Et si on part du principe que c'est en faisant qu'on apprend, ça pourrait être une raison d'autant plus forte. Les gens qui sont en poste, qui ont déjà publié, fait plein de... etc., ben, laisser la place, écouter les jeunes et contribuer à compléter leurs propositions grâce à votre expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait imaginer des stratégies de communication scientifique des communautés où on donne beaucoup, systématiquement, la préférence aux jeunes, non pas parce que leur contenu est de meilleure qualité, ce qui est possible, mais c'est pas la question, c'est parce que les types d'interactions... Et par exemple, pour contrevenir au biais de reproduction sociale de la recherche, qui est la notion de science normale de Kuhn, c'est grosso modo, pour changer la science, eh ben, il faut que les vieux meurent. Essayons de faire un peu plus vite, laissons les jeunes parler avant et donnons-leur plus la place que les vieux, ça aidera au renouvellement. C'est des choses comme ça très logiques qu'on pourrait faire très facilement et qu'on a essayé de mettre un peu en place ici. Je rappelle aussi que c'est le principe du groupe Bourbaki, hein, le groupe de grands mathématiciens français Bourbaki. Il a une limite d'âge. Je ne sais pas s'il faudrait faire ça, c'est peut-être pas à généraliser, mais en tout cas, c'est un exemple que la question de l'âge peut être un facteur scientifique à prendre en compte. Voilà, des choses comme ça. Et donc, je me permets donc d'accueillir Idriss Aberkane, que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais qui est quelqu'un de très diversifié, donc qui est docteur en neurosciences cognitives appliquées à la gestion d'une part. Donc ça peut nous intéresser, il est beaucoup intéressé pour les questions de connaissance. Et puis il s'est beaucoup intéressé à l'écologie, il est vulgarisateur sur plein de questions, et notamment sur YouTube. Et puis il est formateur... et conférencier dans plein de domaines, et il a bien voulu prendre le temps de réagir à mes propositions. Donc je vous laisse la parole. Où la totalité du classement dépend du top 5 des revues, enfin du top 5 des publications que vous avez faites. Nature, Le Lancet, etc., représentent quelque chose comme 40 à 70% de la note dans le classement universitaire international, selon que vous passez dans le classement de Shanghai ou dans le classement du Times Higher Education, qui est donc les deux plus cités, quoi. C'est les publications dans les grandes revues qui vont déterminer où se trouve la fac. Et évidemment, ça vaut des milliards, comme vous le savez, puisque
Pour vous donner une idée, hein, le cash flow de Stanford, c'est de l'ordre de 6 milliards par an. Et si vous êtes une fac mal classée, bah, votre cash flow, il dégringole. Et en France, on n'est pas censé être touché par ça. Mais en réalité, vu que les carrières universitaires sont interopérables, le modèle américain s'est imposé partout. Et donc, puisqu'évidemment, il faut avoir un CV français doit être interopérable avec un recrutement américain, au moins sur le papier. Et donc, en fait, ces pratiques sont devenues standards. Mais au départ, si vous vouliez les changer, il suffirait, je dis entre guillemets, mais c'est extrêmement difficile de faire ça, il suffirait de changer déjà les méthodes de classement des universités, soit de les rendre obsolètes, soit de les changer. Mais les rendre obsolètes, d'ailleurs, c'est envisageable hein, quand on pense au classement des titres financiers déjà par les grandes agences de notation, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, qui deviennent de plus en plus critiquées, même si elles n'ont pas été substituées. On parle aussi en comptabilité, on va en reparler en écologie, de triple bottom line, donc triple bas de bilan, c'est-à-dire le bas de bilan en euros, le bas de bilan en externalité écologique, le bas de bilan social. Et c'est vrai que quand on fait un projet, par exemple un pont en Chine, on peut s'intéresser à son triple bas de bilan. Alors, combien il coûte, combien il rapporte, comment il est amorti. Donc ça, c'est le bas de bilan financier. Combien de personnes y sortent de la précarité ou du chômage ou autre. Ça, c'est le bas de bilan social. Et évidemment, quel est son impact écologique. Ça, c'est le bas de bilan carbone, écologique, etc. Donc voilà, déjà pour réagir sur cette notion du publisher perish, en réalité, si on était plus sophistiqué ou plus malin ou plus plein de choses sur la façon dont on classe les universités, ce problème ne se poserait plus. Ensuite, un des grands problèmes de la dépression dans le monde de la recherche, c'est que... Ouais, vous m'entendez ? Oui, je vous entends okay. Bien, mais c'était un peu dense. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais l'idée, c'était que le classement de Shanghai qui régit le côté très quantitatif de la recherche et dont on en a parlé à plusieurs reprises, a une influence aussi en France, même s'il est moins prégnant, c'est ça ? Pas que Shanghai. Shanghai, ça a été inventé spécifiquement pour que les Chinois aient un classement à eux. Mais en fait, avant, c'était le Times Higher Education et puis, bien sûr, les classements informels entre universités américaines qui, de toute façon, existaient même avant le Times Higher Education. Mais c'est ça qui est le premier prescripteur aujourd'hui quand un étudiant décide de claquer 40 000 dollars par an dans les facs américaines. Le prescripteur numéro un, et on le voit, il y a plein d'études qui le montrent, c'est le classement. Donc, et le classement, il est déterminé par la quantité de publication, l'intensité de publication, donc combien par an, et dans quelle revue, évidemment. Donc, c'est ça qui, fondamentalement, oriente les carrières dans ce sens-là. Encore une fois, on peut le changer, c'est-à-dire les mesures, on connaît ça dans l'Union soviétique, hein. Quand on décide qu'un indicateur de succès, quand on décide de tout miser sur un indicateur de succès, on déconne, par exemple. Je ne sais pas si c'est la quantité de clous, on veut mesurer la production de clous et on regarde la masse, rien n'empêche l'usine de faire un clou géant de 300 kilos. Le clou, il ne sert à rien, il fait 300 kilos, mais du coup, ils ont fait 300 kilos de clous. Bon. C'est un phénomène connu en économie. Quand on base toutes les performances sur un indicateur, on peut rapidement, le système le prend en défaut, et au final, l'indicateur fait n'importe quoi. Donc, comme si en Union soviétique, on avait des quotas de 300 kilos de clous et qu'on se retrouvait avec des usines qui produisent un clou de 300 kilos parce que c'est plus pratique à produire que 300 000 clous, etc. Donc ça, c'est un phénomène en sociologie de la recherche qui est pas assez discuté, évidemment. Toujours en sociologie de la recherche, avant d'aborder l'écologie, donc un des enjeux de la dépression au travail dans le monde de la recherche, c'est le fait qu'on a perdu on a perdu largement l'idée de la pratique délibérée. Donc en fait, la pratique délibérée, c'est un phénomène psychologique qui a été très, très étudié par Erickson, donc un chercheur en psycho. Et Erickson définit la pratique délibérée comme l'indicateur le plus fondamental de l'expertise. On devient un expert quand on pratique délibérément, selon lui. Donc quand on se met au boulot sans qu'on ait personne qui nous demande de nous mettre au boulot, là, on atteint l'expertise dans n'importe quel domaine, que ce soit Usain Bolt, par exemple. Usain Bolt, il était très connu pour se lever à 4 heures du matin sans que son coach le lui demande. Voilà. Et spontanément, quoi, sans réveil, sans rien, s'il y avait un truc qu'il avait envie de faire, c'était de courir et de s'entraîner. Donc, le type pratiquait délibérément. Et c'est clair qu'à la fin du compte, quand vous pratiquez délibérément, vous accumulez plus d'heures que votre concurrence, entre guillemets, et vous devenez meilleur
Mais le pire, c'est que vous ne le sentez même pas passer, puisque comme c'est délibéré, bah, ça ne vous fait pas souffrir au travail. Ce n'est pas quelque chose qui est dépréciogène. Ça m'amène du coup à la fameuse définition de Pasteur. Pasteur disait, le plus beau mot que les Grecs nous ont laissé, c'est enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire avoir un dieu à l'intérieur, en théos. Et c'est vrai que, bon, en France en particulier, mais dans le monde universitaire en général, on a tendance à distinguer amateur de professionnel. L'opposé d'un professionnel, c'est l'amateur. Donc, quand on aime ça, par définition, socialement parlant, c'est qu'on n'est pas un pro, que le pro, c'est quelqu'un de blasé, quoi. Et c'est quelque chose qui se catalyse un peu tout seul en termes d'autopoïèse sociale. Donc, l'autopoïèse sociale, c'est quand l'environnement social nous transforme. On se retrouve avec une sorte de catalysation du cliché que le professionnel, c'est celui qui est blasé. Voilà. Enfin, de catalyse, pardon, du cliché que le professionnel, c'est celui qui est blasé. Et dans le cas de Pasteur, d'ailleurs, quand tu parlais de changement de paradigme, bah, faut se rappeler qu'il a fait toute sa carrière dans le vin jaune au départ. On oublie le contexte, mais aucun médecin ne le prenait au sérieux pendant à peu près 25 ans, Pasteur. Donc, ce sont les fabricants de vin jaune dans le Jura qui l'ont financé parce qu'eux voulaient savoir comment se formait leur vin, qui est donc formé cuve ouverte avec une voile. On appelle ça aussi le vin de voile. Et c'est en mettant la voile au microscope que Pasteur a commencé à étudier les bactéries et les bacilles, les levures aussi qu'on trouve dans le voile du vin jaune. Et c'est ça qui l'a amené à la théorie germinale des maladies, mais ce n'était pas du tout dans un contexte hospitalier. D'ailleurs, la pression des pairs à l'époque était absolument impossible pour que Pasteur puisse être pris au sérieux au début de ses recherches, pas à la fin, évidemment. Et on connaît le même phénomène avec Semmelweis, sur lequel Louis-Ferdinand Céline a fait sa thèse, d'ailleurs, que Semmelweis, donc sa contribution légendaire, c'est de se laver les mains avant de passer d'un cadavre à un vagin en obstétrique, ce qui est une idée qui semble assez logique aujourd'hui, et d'ailleurs qui était connue par essai erreur des Arabes, mine de rien, à Bagdad, et on parlait d'essai erreur aussi, dans le Bagdad de la Renaissance, enfin pas de la Renaissance, dans le Bagdad de l'âge d'or des sciences arabes, donc Al-Razi notamment, il avait une technique pour construire un hôpital, il pendait une pièce de viande dans tous les quartiers de la ville, et il allait jusqu'à pousser le vis, jusqu'à mettre la même pièce de viande. Et le même, genre si c'est une épaule, quoi, donc une épaule, pas la même, mais une épaule dans chaque quartier, et ils construisaient l'hôpital dans l'endroit où l'épaule avait pourri, où il y avait les asticots en dernier. Donc là aussi, c'est de la science sauvage, quoi, c'est de l'essai erreur pratique. Mais c'est effectivement ça, le fondement de la recherche. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le fondement de la zoopharmacognosie qui a été évoqué, hein, qui est connu aussi chez les tortues. Puisqu'on voit que les tortues aussi peuvent se purger de certains vers, en particulier la tortue grecque et la tortue mauresque peuvent se purger de la tortue Hermann aussi peuvent se purger de certains vers en par essai erreur en mangeant certaines herbes. Et là aussi, bah, c'est comme ça que plein de médicaments ont été découverts. Pour la petite histoire, l'acide ascorbique, donc la vitamine C, ascorbique, ça veut dire qui enlève le scorbut, ça a été découvert en Occident par la Royal Navy qui a essayé à peu près tout ce qu'elle pouvait. Donc, elle a essayé toutes les théories les plus débiles. Par exemple, il y avait une théorie selon laquelle c'était l'air marin piégé dans la moustache qui causait le scorbut. Donc, elle a rasé, elle a fait un groupe où on rasait la moustache. Bon, ça n'a pas marché. Mais dans toutes les conneries qu'ils ont étudiées, il y a eu jus de citron. Et jus de citron, ça a marché. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'acide ascorbique. Donc, voilà, pour résumer aussi dans toutes ces notions de montée-descente, il ne faut pas oublier d'opposition puis d'acceptation de théories scientifiques. Il ne faut pas oublier le Big Bang Effect. Le Big Bang Effect, c'est quand vous avez une insulte pour une pratique ou une théorie qui devient son nom. Par exemple, impressionniste, c'était une insulte. Voilà, impressionniste, c'était un critique qui insultait les impressionnistes en disant s'ils font de la peinture impressionniste. Et puis, c'est devenu le nom. Et aujourd'hui, les toiles impressionnistes sont parmi les plus demandées et les plus étudiées. Et c'est chez celles sur lesquelles il y a le plus de publications, en fait, en histoire de l'art. Pareil donc pour le Big Bang. Bah, Big Bang, c'était une insulte. C'était Fred Hoyle qui a insulté l'abbé Lemaître. Parce qu'au départ, le Big Bang, c'est d'ailleurs très marrant parce que dans toutes les encyclopédies conservatrices chrétiennes américaines, comme Conservapédia, si vous voulez regarder un peu ça, Conservapédia, c'est l'encyclopédie des chrétiens conservateurs qui vous dit que les dinosaures ont existé avec les humains, que la Terre a 5000 ans, etc. Et dans Conservapédia, ils sont en pleine dissonance cognitive parce que le Big Bang, pour eux, ça ne peut pas être une théorie chrétienne, évidemment, vu que la Terre a 5000 ans. Mais en même temps, c'est un abbé qui a créé cette théorie. Il s'appelle l'abbé Lemaître. Et il l'a créé précisément parce qu'il voulait, en tant qu'abbé chrétien, que l'univers soit un point. Donc, il est parti du principe que l'univers doit être infiniment petit par rapport à Dieu.
Et donc, il a manipulé ces équations d'une façon complètement what the fuck pour que l'univers parte d'un point. Et même Einstein, d'ailleurs, n'était pas du tout d'accord avec les équations que l'abbé Lemaître avait obtenues. Et Fred Hoyle, pour se foutre de sa gueule, a appelé sa théorie le Big Bang. En gros, c'est pas sérieux, quoi. Alors que lui, il appelait l'atome primitif ou l'atome primordial, je ne sais plus. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est devenu le nom dominant. Et c'est pareil aussi pour la petite histoire, pour Daft Punk. Daft Punk, c'était une insulte des critiques. Ils ont dit c'est du Daft Punk, puis eux ils se sont dit c'est génial comme nom, on va le garder. Enfin, donc tu parlais de garder peut-être des scientifiques dans des groupes d'une limite d'âge ou pas. Bon, ça peut se défendre, mais on a Freeman Dyson, qui est décédé récemment, mais qui n'avait pas de PhD. Lui, c'était un peu le rebelle Freeman Dyson. Et il a sorti juste avant de mourir une hypothèse complètement dingue en mathématiques sur les quasi-cristaux. S'il y a des mathématiciens dans la salle, il a sorti une hypothèse que même les plus jeunes des chercheurs n'auraient pas pu sortir. Il a sorti que la classification des quasi-cristaux pouvait résoudre l'hypothèse de Riemann. Les quasi-cristaux, c'est une structure en physique qui est remarquable et qu'on trouve d'ailleurs dans les yeux des poulets. Ça a été découvert récemment dans les yeux des poulets, la structuration des cônes et des bâtonnets dans les yeux des poulets est quasi-cristallée. Bon. Alors, 5 minutes sur la question écologique, etc. Et finalement, voilà, j'avais voulu préparer un truc sur comment faire pivoter... Enfin, mon sujet, ça va être la triangulation cognitive. Alors, c'est quoi la triangulation cognitive ? C'est quand vous êtes entouré de 3 personnes qui pensent d'une certaine façon, vous avez plus de chances de penser de la même façon. C'est tout con, c'est la pression des pairs aussi, on appelle ça comme ça, la peer pressure. Mais la triangulation cognitive, c'est quand la pression des pairs est utilisée pour amener un changement, bon ou mauvais. Donc on triangule quelqu'un avec des gens qui pensent d'une certaine façon, ou encore mieux, des cas qui marchent, pour faire en sorte que son réel devienne, comment dire, que son réel ajoute ces nouvelles données. Alors, je prends un exemple. Là, aujourd'hui, je vois dans la salle de conférence, vous avez des hommes et des femmes. Bah, ça, il y a 100 ans, ce n'était pas possible. Bon, en université, ce n'était juste pas possible. D'ailleurs, Amy Noether, la protégée de David Hilbert, David Hilbert a dû gueuler pour qu'elle soit acceptée dans un amphi en maths parce que ce n'était pas envisageable d'avoir une prof femme en maths à Königsberg, voilà. Bon, et c'était il y a 100 piges. Donc, aujourd'hui, c'est normal. Et pourquoi c'est normal ? Parce qu'on est triangulé par des cas où c'est normal. Bon. Et donc, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Et en fait, la grande question de la triangulation cognitive, c'est comment on passe du choquant au banal ? Comment on passe d'une théorie qui a l'air révolutionnaire, donc controversée, donc, et comme disait Schopenhauer, si on simplifie, ridicule, dangereux ou évident. Donc pour Schopenhauer, toute révolution passe par ces 3 étapes. D'abord, elle est considérée comme ridicule, ensuite, elle est considérée comme dangereuse, et in fine, elle devient évidente. Et tout ce qui nous entoure est de cette nature. Le fait que les femmes portent des pantalons, par exemple. Bah, Coco Chanel, elle a fait de la tôle parce qu'elle faisait des pantalons pour femmes. Aujourd'hui, vous voyez des femmes et des hommes dans un amphi, et en plus, les femmes portent des pantalons. Bon. Donc, comment on passe du ridicule où je te mets en tôle, Coco Chanel, elle a fait de la tôle, à c'est normal, ça fait partie du quotidien. Et c'est ça, en fait, le phénomène qu'on oublie, parce que nous, on vit dans des révolutions, des ex-révolutions qui sont banales, mais on oublie toute la dynamique cognitive qui fait qu'elles sont passées de ridicule à évident. Et en oubliant ça, bah, on reproduit les mêmes erreurs, en fait. Comme on oublie le phénomène que, là, vous regardez un écran qui est alimenté par du courant alternatif, le courant alternatif, c'était considéré comme dangereux, Thomas Edison avait inventé un terme, se faire Westinghouser, pour dire se faire électrocuter, il électrocutait des chiens et des chats sur la place publique avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Il a promu la chaise électrique avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Bon. Aujourd'hui, vous regardez sur un écran avec un ordinateur personnel, ça aussi IBM pensait que c'était ridicule, alimenté par du courant alternatif, et c'est évident. Mais toutes les futures révolutions, elles vont repasser par ces étapes-là. Parce que comme on est en quelque sorte blasé, ou comme on est dans le confort, on va plutôt dire ça, dans le confort de la banalité, eh ben, on ne se pose pas la question de quelles nouvelles révolutions vont passer de ridicule à évident, en sachant que toutes les révolutions doivent être considérées comme ridicules, mais que toutes les idées débiles ne sont pas des révolutions. Et que donc, il y a une majorité d'idées débiles aujourd'hui qui vont rester des idées débiles et qui ne vont jamais passer dans le stade banal. Alors, maintenant, en écologie, le truc, vraiment le truc qui pourrait permettre de changer le monde, et qui est ridicule, bon, ça serait l'abolition du déchet. Voilà, tout simplement. Et même mieux que ça, ça serait l'abolition, ça serait même le déchet négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit une usine, quand on demande à un gamin de dessiner une usine, il vous dessine un toit pointu, il vous dessine une cheminée, et il vous dessine de la fumée qui sort.
Bon. Eh ben, l'idée, c'est que quand un gamin dessinera une usine dans 30 ans, il dessine des toits pointus, il dessine une cheminée et il dessine de la fumée qui rentre. Bon. Que l'usine de demain, elle absorbe les déchets, elle les inspire, elle les consomme. Bon. Bon, ça, pour l'instant, si je vous dis ça, c'est plutôt ridicule, on est d'accord. On est dans une idée à la con, quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir des usines? Est-ce que c'est possible d'avoir des moyens de production, dans le sens marxiste du terme, qui sont consommateurs nets de déchets? Alors, évidemment, la réponse est déjà oui, puisqu'on a quelques tout petits secteurs où c'est le cas, où on arrive à consommer des déchets en produisant certains biens de consommation ou même certains services. Alors, par exemple, en matière de CO2, 30% des émissions de CO2 mondiales, c'est la construction, 30%. Et les deux ressources les plus stressées sur Terre, à cause de la construction, c'est l'eau potable et le sable. L'eau potable et le sable, devant le pétrole. Donc, les deux ressources les plus stressées sur Terre, c'est l'eau potable et le sable. Et l'eau potable, elle est en particulier stressée par la construction. Le sable, il est totalement stressé par la construction parce qu'on ne peut pas faire du béton avec du sable du désert. Ah, c'est tout con, mais on ne sait pas faire du béton avec du sable du désert. La granularité n'est pas bonne. Donc, il faut faire du béton avec du sable de rivière ou de mer. Et donc, vous avez des pays qui vendent leurs plages par porte-conteneur entier, par sablier entier. Et on manque de sable. Et aujourd'hui, les Chinois se demandent où trouver du sable. Et avec tout ça, quand vous faites du béton, vous consommez du ciment Portland qui a été fabriqué par combustion. Et donc, ça produit du CO2. Et voilà où on en est. Bah oui, sauf qu'en fait, ça fait 30 ans qu'on sait faire du béton avec de la biomasse non vivrière, à savoir du chanvre et du miscanthus. Voilà. Donc, on sait faire des blocs de béton, ça s'appelle le hempcrete. Puis ça fait vraiment 30 ans qu'on le connaît, on ne l'a juste pas passé à l'échelle, mais le hempcrete peut substituer quelque chose aujourd'hui comme 60% de la production de béton mondial, en termes de particularité, quoi, de propriété tensile, etc. Et donc, le hempcrete, c'est fait à partir de chanvre, et le béton de miscanthus, c'est fait à partir de miscanthus. Dans les deux cas, ce sont des plantes pérennes, c'est-à-dire qu'elles séquestrent du CO2 en plus dans leurs racines. Donc, quand on les coupe, on n'a pas besoin de les replanter l'année suivante. Elles travaillent les sols, puisqu'elles ont une énorme emprise au sol. Et donc, elles permettent aussi l'absorption, le remplissage des nappes phréatiques, puisque, ayant des racines profondes, elles facilitent l'infiltration de l'eau. Ben, ça, c'est une solution qui serait immédiatement disponible et qui serait à déchets négatifs. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de les engraisser, ces plantes. C'est un point important. Pas besoin d'engrais de synthèse et pas besoin de travail mécanique des sols. Vous avez juste besoin de récolter. Et ensuite, vous pouvez faire du hempcrete avec du miscanthus ou du chanvre. Donc là, vous avez un cas de consommation nette de déchets, en fait, d'industrie du futur, que j'ai appelé dans mes travaux l'économie polyenne, d'après les travaux de Gunther Pauli, où vraiment l'idée, ce n'est pas seulement qu'on fasse du zéro déchet, parce que c'est même plus suffisant par rapport à tout ce qu'on a balancé dans les océans et dans l'atmosphère, mais qu'on fasse du déchet négatif. Et bah là, du coup, la triangulation cognitive, c'est, je suis quasiment certain que personne dans la salle, en live ou physiquement, on avait entendu parler de ces bétons de biomasse non vivrière, de ces bétons de miscanthus et de ces bétons de chanvre. Et pire que ça, parce que ce n'est pas seulement en avoir entendu parler, c'est finalement pourquoi il n'y a pas un bâtiment public qui est construit en ça. Alors, quand on pose la question en France, on voit qu'il y a des directives. Bon, en réalité, les directives et les circulaires, c'est du lobbying, de la farge. Je vais simplifier, mais ça mérite d'être simplifié. Et effectivement, la farge n'est pas très intéressée par ces bétons-là. Mais c'est complètement faisable de faire un opéra demain en béton de chanvre et de faire en sorte que du coup, ça fasse partie du quotidien. Comme le béton romain, il était très particulier d'ailleurs, il n'utilisait pas d'eau potable. Pour la petite histoire, le Panthéon à Rome, qui est la structure en béton non armé la plus grande au monde encore aujourd'hui, donc c'est la plus grande coupole de béton non armé au monde, c'est le Panthéon. Et il est fait en béton romain qui n'utilise pas d'eau potable, il utilisait de l'eau de mer, parce que les Romains avaient découvert, par essai et erreur, toujours pareil, que la pouzzolane, la pierre du Vésuve, pouvait faire un béton avec de l'eau de mer. Donc, quand vous êtes face à une réalité, en fait, ça devient évident. Donc là, on pourrait un petit peu conclure sur toute la pyramide de Maslow. Comment faire une économie, au fond, qui est consommatrice nette de déchets, où les moyens de production consomment les déchets du passé? Et encore une fois, on commence un peu à la voir en électronique. Par exemple, Apple a fait main basse sur presque toutes les décharges électroniques au monde. Voilà. À l'heure actuelle, en logistique, c'est très dur de trouver une décharge électronique qui n'ait pas été rachetée par Apple pour s'approvisionner en or, en cuivre, etc. à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, une décharge électronique, elle a plus d'or au mètre cube qu'une mine d'or sud-africaine. Donc, les réserves d'or du futur, les réserves de cuir du futur, les réserves de métaux en général du futur pour Apple,
c'est les décharges électroniques, donc très, très discrètement, pour ne pas faire envoler les prix, ils les ont rachetés, et aujourd'hui, ils possèdent plus de 60% du marché. Donc, si on devait conclure sur comment faire une triangulation cognitive de l'humain de demain, de l'humain de 2030, 2050, pour que tout ce qui l'entoure, ou plutôt suffisamment de choses qui l'entourent, subviennent à ses besoins en étant consommatrice nette de déchets, on pourrait s'intéresser donc à l'habitation. On vient d'en parler avec le béton de chanvre, le béton de Miscanthus. On pourrait en parler aussi avec certains géopolymères qui sont consommateurs nets de CO2. Je pense notamment aux travaux de Peter Trimble. Donc Peter Trimble, il prend du sable, du désert cette fois d'ailleurs, énorme découverte. Il prend du sable du désert, il met de l'urine, il infuse avec du Bacillus pasteuri. Et il fait une sorte de rose des sables. Alors, il faut que l'incubation soit... L'incubation coûte assez cher en termes pour un moule et tout. Pour l'instant, ce n'est pas passable à l'échelle. Mais il incube ça, Bacillus pasteuri, urine, sable du désert, et il solidifie. Il fait un bloc de grès artificiel. On appelle ça un géopolymère. Et ça, ça consomme du CO2. Bacillus pasteuri absorbe, parce que fait du carbonate de calcium, fixe du CO2 quand il solidifie sa rose des sables artificielle. Donc, pyramide de Maslow, l'habitation. On voit qu'il y a des solutions à déchets négatifs. On pourrait parler des vêtements. Aujourd'hui, on s'habille beaucoup avec du coton. On a des jeans en coton, par exemple. Le coton, c'est la culture, en agriculture, c'est la culture la plus consommatrice d'eau, devant le riz. Et le coton a asséché la mer d'Aral, pour simplifier. Enfin, c'est pas pour simplifier, c'est la culture du coton ouzbek en Union soviétique a asséché la mer d'Aral. Et on a d'autres solutions aujourd'hui pour avoir de la cellulose à déchets négatifs. Par exemple, la culture d'algues en haute mer. Donc là, on n'utiliserait plus de la biomasse vivrière, on cultive des algues en haute mer. Les Coréens le font très très bien. Et ils ont c'est déjà les leaders, en fait, les Sud-Coréens sont les leaders mondiaux de la culture d'algues en haute mer. Et là, on a plein d'avantages, en fait, on a des synergies qui se forment. Parce que d'abord, quand on cultive des algues en haute mer, on renouvelle les stocks de pêche, puisqu'on crée des sites de ponte. Il y a beaucoup de poissons qui ont besoin de ce genre de forêt d'algues pour pondre leurs œufs. Et donc, on va renouveler les stocks de pêche, parce que vous savez qu'en matière de stocks de pêche, on fait la connerie monumentale encore aujourd'hui de pêcher les femelles gravides, ce qui est complètement con quand on y pense. Les femelles gravides, elles peuvent avoir, dans le cas du Saint-Pierre, elles peuvent avoir jusqu'à 200 000 œufs. Et donc, si on arrivait à protéger les femelles gravides, on aurait un impact majeur sur le renouvellement des stocks de pêche. Mais pour l'instant, on protège même pas les sites de ponte. Et pire que ça, on n'a même pas identifié, on n'a même pas de cartographie des sites de ponte pour la majorité des poissons qu'on pêche. On ne sait pas où ils pondent. Alors qu'il suffirait de faire des zones d'exclusion juste pour ces zones-là pour renouveler les sites de pêche. Mais donc, là, dans le cas de l'habillement, enfin du vêtement, quand on fait des forêts d'algues en haute mer comme le font les Coréens, on fixe le CO2, évidemment, ça commence par là. On fixe le CO2, on ne consomme pas d'eau potable puisque les algues, elles sont dans l'eau de mer. On a de la cellulose directement à partir de ces algues et ensuite, on peut faire de la conchyliculture autour. Et la conchyliculture, soit elle purifie l'eau, soit on consomme. D'ailleurs, avec les coquilles, on peut aussi s'en servir comme matériau de construction. C'est les travaux de Kate Orff qui a travaillé là-dessus. Et puis, derrière, vous avez donc renouvellement de certaines espèces pélagiques, pas toutes, mais au moins certains poissons. Vous allez pouvoir les renouveler comme ça. Et puis, d'ailleurs, avec la biomasse qui vous reste pour les algues, vous pouvez faire du biométhane. Et le biométhane, vous pouvez l'utiliser dans tout un tas de scénarios, déjà pour vous chauffer, bien sûr. Mais même Elon Musk, en fait, utilise du méthane pour ses fusées. Les fusées de SpaceX, elles tournent au méthane, ce qui était complètement ridicule il y a 20 ans. Mais lui, là, ça aussi, c'est de la recherche réensauvagée, parce que Elon Musk, c'est que de l'essai-erreur. Il a fait péter des fusées, il s'est raté, il y a eu plein d'échecs. Mais partir sur une fusée en inox qui tourne au méthane, ce qu'il fait aujourd'hui, une fusée en inox qui tourne au méthane et qui a le record du monde du fret aérospatial. Aucune fusée dans l'histoire n'a pu emporter autant de fret que sa toute dernière. Et elle est en inox et elle tourne au méthane. Bon. Voilà un peu ce qui peut être fait autour de la filière vêtements avec une consommation nette de déchets. On pourrait parler de tous les autres aspects de la pyramide de Maslow, mais j'ai dépassé le temps largement, donc je vais m'en tenir là. Mais donc voilà l'idée générale, triangulation cognitive pour faire en sorte qu'une idée passe de ridicule à évident. Comment on fait pour qu'elle passe de ridicule à évident? Il faut entourer les gens de cas qui ont marché, parce que sinon, évidemment, les gens se disent « ça ne marchera jamais ». Pour entourer les gens de cas qui ont marché, il y a la vulgarisation scientifique, bien sûr, mais il n'y a rien de tel qu'un produit fini, quoi. Un t-shirt en algues, un jean en algues,
J'ai vu un entrepreneur portugais qui fait des semelles de chaussures en coquille Saint-Jacques concassées, des trucs comme ça, et des maisons en béton de chambre. Et puis donc, à l'université, bien sûr, en conclusion, il faudrait en fait créer des espaces où l'échec ne coûte pas cher. Parce qu'en fait, s'il y a bien un phénomène qu'on sait dans toute l'histoire de l'innovation, c'est que les lieux les plus innovants sont les lieux où l'échec ne coûte pas cher. Les lieux où le fait de se rater ne coûte pas cher sont des lieux où toutes choses égales par ailleurs, on innove énormément. Mais le problème dans le monde universitaire, c'est que la pression des pairs, PAIR évidemment, fait que l'échec coûte cher. Parce que s'afficher devant ses pairs, se rater, avoir une expérience qui a foiré, ça coûte cher. Ça coûte cher pour une rétractation, ça coûte méga cher pour la carrière. Une rétractation, c'est horrible. Il n'y a pas de journal qui favorise une publication quick and dirty, rétractable, en disant oui, il n'y a pas de honte ici, on n'est pas très fiable, mais c'est un journal un peu niche, il est fait exprès celui-là, il est fait pour que vous balanciez des idées à la con, pour que vous puissiez... Il n'a pas de valeur politique, bien sûr, il n'aura pas de valeur politique, parce qu'on ne va pas faire des recommandations de politique publique sur un journal qui peut se rétracter, mais ce journal-là, il est fait pour pouvoir faire des essais-erreurs, mais peut-être même que ce ne serait pas dans le cadre d'un journal qu'il faudrait avoir ce genre d'attitude, ce serait simplement dans ce que le MIT a appelé des Fab Labs, ou ce que les Italiens de la Renaissance appelaient les botteghe. Et c'est là-dedans que Léonard de Vinci, d'ailleurs, a été formé. C'est dans une bottega, la bottega de Verrocchio à Florence. Donc, les environnements où l'essai-erreur ne coûte pas grand-chose, les environnements où l'essai-erreur ne coûte pas en termes de réputation, en termes d'argent aussi, bien sûr, sont des environnements très innovants. Et pour conclure, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus qui a dit... comme chercheur, le fait que la collectivité paye pour mes travaux, il faut bien que je le lui rende. Bon, c'est exact, mais c'est un rendement collectif, c'est pas un rendement individuel. Vous avez des passes dans une équipe de foot, tout le monde ne marque pas des buts, mais tout le monde contribue au but. Dans la recherche, vous avez pour 100 chercheurs, s'il y en a un qui arrive à trouver un truc qui peut être appliqué par ailleurs, ça peut rembourser 100 chercheurs. Vous avez le cas du CERN, par exemple. Le CERN, il a été remboursé fois 100, par une toute petite découverte ridicule à l'intérieur qui s'appelle le World Wide Web et qui a été fait par un pauvre ingénieur qui était là avec un ordinateur de luxe. Il avait un ordinateur de méga luxe qui était un ex-cube fabriqué par Steve Jobs avec un port Ethernet qui coûtait à l'époque 7 000 $, donc 20 000 $ aujourd'hui. Et ces ordinateurs de luxe dont on devait justifier le prix pour le CERN, qui avait donc un port Ethernet, un câble, une carte graphique, l'équivalent, un truc couleur, quoi, écran couleur, etc., VGA. C'est grâce à ça que Tim Berners-Lee a pu faire le World Wide Web. Et ce but-là, par rapport à toutes les passes qui ont été faites par tous les autres chercheurs, rembourse toute l'équipe. Ça rembourse tout le CERN. Tout le CERN 100 fois, si on s'amuse à regarder tout l'argent qui a été généré par l'introduction du World Wide Web. Ah, évidemment, cet argent n'a pas forcément plu, c'est comme un cycle de l'eau, ça peut s'évaporer et l'argent peut pleuvoir ailleurs. Et je vais conclure là-dessus, en fait, dans la recherche, malheureusement, et dans le cas français en particulier, la R&D, donc si on devait caricaturer la recherche, macroéconomiquement, la recherche transforme de l'argent en connaissance. Macroéconomiquement, la recherche, c'est une machine, on met des billets dedans et il ressort de la connaissance. Et macroéconomiquement, le développement, c'est on met de la connaissance dans la machine et il ressort de l'argent. Donc, la recherche, c'est transformer l'argent en connaissance et le développement, c'est transformer la connaissance en argent. Et en France, on a parmi, en fait, si on s'amusait à faire des classements comme ça, par exemple, on parlait au début de nouvelles formes de classement, si on s'amusait en France à normaliser le classement par le budget, les facs françaises seraient number one mondial. Personne ne l'a fait, ça. Il n'y a aucune ministre de la Recherche qui s'est amusée à produire un classement de Paris ou de Bordeaux ou de Lyon, des universités normalisées par le budget. Mais si on faisait ça, les facs françaises seraient numéro un, de très loin, de très, très loin. Et la recherche française, en fait, est ultra efficace en matière de R. En matière de R, on a une efficacité budgétaire qui est exceptionnelle. Pour vous donner une idée, le budget du Pentagone en matière de clim, la climatisation des forces armées américaines, c'est 18 milliards par an. En dollars, 18 milliards. Le budget du CNRS, c'est 6. Donc, avec un tiers du budget clim du département de la défense américaine, avec un tiers du budget clim, on produit tous les Nobel qu'on a produits, toutes les médailles Fields qu'on a produits, toutes les découvertes fondamentales qu'on a produites. Donc, en matière de R, on a un des meilleurs rendements au monde en France. En matière de D, nos emplois pleuvent ailleurs. Voilà. C'est un état de fait, c'est-à-dire la France a été leader sur les cristaux liquides, mais elle n'en exporte pas.
On n'est pas exportateur net de cristaux liquides en France. La France a été leader sur les lasers avec Alfred Kastler. Donc, le leader sur les cristaux liquides, c'était bien sûr Pierre-Gilles de Gennes, hein, prix Nobel en 1997. Pardon. Vous avez Albert Fert, la magnétorésistance géante, donc les disques durs SSD, prix Nobel en 2007, je crois. Et bon, on n'en exporte pas non plus. Et puis donc, pour les lasers, Alfred Kastler, prix Nobel en 1967, mais on n'exporte pas de lasers. Donc, quand c'est... Quant à cette question rendre à la collectivité, ben voilà, en fait, il faudrait, on n'a pas mis en place tout simplement en France, on n'a pas mis en place le réseau suffisant pour faire en sorte que les découvertes du CNRS, du CNRS ou de l'INRIA ou du CEA ou des universités, qui sont encore une fois très efficaces budgétairement, c'est un fait, fassent des passes décisives, en fait. Voilà. On n'a pas de passes décisives. Et du coup, les buts en termes d'emploi sont faits ailleurs. Et c'est quelque chose qui pourrait changer. Bon, voilà en gros le résumé de mon petit speech. Et merci à vous. Merci beaucoup, Idriss. C'était très riche. Il aurait fallu plus de temps pour tout développer utilement, mais ça nous fait déjà pas mal d'éléments. Et j'espère qu'on va pouvoir raccrocher tout ça pour avancer sur nos problématiques au-delà d'une simple journée. Et donc, merci d'y avoir contribué. J'espère que tu as pu apprécier aussi quelques échanges. Eh ben, chouette alors. Et donc, je crois qu'on a un peu dépassé nos horaires, parce que le programme était un peu chargé, c'est tout à fait de ma faute. Et donc, je crois qu'on va libérer un peu tout le monde. On va essayer de diffuser les liens au maximum pour ceux qui n'ont pas pu suivre toute la journée. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Et puis, à bientôt peut-être si on avance sur ces sujets-là.